Matinale Toxin, 8h-10h, Clément Soudiakova. Et bonjour à vous tous, bienvenue dans votre matinale Toxin Matin. Évidemment, aujourd'hui encore une pensée pour les victimes du terrorisme islamique qui aujourd'hui a frappé les Belges. Et plus que jamais, cela nous emmène sur une conclusion. Il faut continuer de sonner le tocsin et de dire la vérité sur les mots qui nous entourent. Et c'est aussi notre rôle. Aujourd'hui, très très grosse journée ici. Et continuez à nous relayer, à faire parler de nous et à mettre justement tous ces pouces levés pour continuer à faire monter notre référencement. Nous allons parler du une autre réalité ici en France, des milliers d'entrepreneurs qui sont pris à la gorge par le prêt garanti par l'État, le PGE, qui a été vendu, survendu pendant la période Covid. Un entrepreneur sonne le tocsin et propose une solution pour s'en sortir. On le reçoit dans quelques instants. Et puis pour notre clairon, nous revenons sur la mainmise sur les réseaux sociaux voulue par Bruxelles. Vous savez, le commissaire Thierry Breton avait mis en place le DSA. Désormais, il interpelle, il tente de mettre Elon Musk au pas. On en parle avec Patrice Épelleboin à partir de 8h15. Et puis enfin, dans notre corps à corps, nous revenons sur la natalité qui est en berne, complètement en crise. Le rapport de l'INSEE publié en septembre dernier le montre. Comment sauver cette natalité? Pourquoi est-elle en chute? On en parle dans cette table ronde. Et enfin, pour finir, un très très gros sujet que vous attendez sûrement tous et très nombreux, j'en suis sûr. Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture, c'est le titre de Xavier Hofer pour son livre publié aux éditions du Cerf. On reviendra sur l'affaire, sur le monstre de la pédocriminalité protégé et d'ailleurs qui a servi également un Gotha mondialisé, financier. Et on en parle avec Xavier Hofer pour mieux comprendre justement comment cette omerta a pu continuer jusqu'à encore aujourd'hui. Tout sur l'affaire Epstein, c'est à partir de 9h30 jusqu'à 10h. Mais tout de suite, c'est notre sonneur. C'est l'heure du sonneur. Alors, bonjour Antonio Impellizzeri. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes entrepreneur donc et président du CSIERP, le collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs. Nous allons revenir évidemment sur ce collectif que vous avez créé puisque c'est aussi l'objet de notre invitation aujourd'hui. Mais d'abord, revenons sur vous. Vous êtes entrepreneur dans les services à la personne, c'est bien ça? Tout à fait, oui, depuis une quinzaine d'années, après un parcours dans le secteur hospitalier et les EHPAD, donc parce que j'ai été directeur adjoint d'hôpital, j'ai notamment dirigé les finances d'un grand hôpital et j'ai été directeur d'EHPAD. Mais j'ai travaillé également dans le privé, notamment dans l'expertise comptable. D'accord. Et donc, pendant le Covid, votre activité, comme beaucoup d'autres, s'est effondrée et vous n'avez pas eu d'autre choix que de recourir à ce PGE, le prêt garanti par l'État, qui a été à l'époque vendu comme une solution par le gouvernement. Oui, tout à fait. En fait, on n'a pas eu le choix. Nous, les entrepreneurs qui avons perdu beaucoup de notre chiffre d'affaires à cause de la faute gravissime de l'État. Et donc, pour éviter de mourir immédiatement, on est obligé de l'accepter. Bon, c'était un argent empoisonné. Je m'en suis rendu compte trop tard, malheureusement. Mais maintenant, j'ai une solution. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, si vous permettez, je vais dérouler ce que je souhaiterais dire. Est-ce que vous voulez qu'on procède comme ça? Oui, si vous voulez, oui. Mais racontez-nous quand même, oui, avant d'arriver à la solution, racontez-nous comment vous êtes pris à la gorge.
Alors, en fait, on est pris à la gorge parce que le chiffre d'affaires qui nous a été enlevé par la faute gravissime de l'État avec ses mesures diverses et variées de confinement, etc., ce chiffre d'affaires n'est jamais revenu. Et donc, compte tenu du fait que les fondamentaux vertueux de l'économie sont très, très loin d'être revenus, écoutez, on est pris à la gorge et il faut qu'on continue à payer nos charges habituelles. Ça s'appelle des charges fixes, alors même que le chiffre d'affaires qui nous a été enlevé par l'État n'est pas revenu. Mmh. Et en plus, il faudrait qu'on rembourse le prêt garanti par l'État. Donc, c'est strictement impossible. Mmh. Voilà. Et donc, à l'époque, ce PGE était un peu vendu comme de l'argent magique, justement. Prenez-le et puis on verra plus tard pour le remboursement. Évidemment, il y aura des aides, vous serez accompagné, etc. Oui, non, mais c'était une vente, c'était une publicité mensongère, si on peut prendre ce terme-là. Mm. En fait, c'était pour pouvoir nous affaiblir. Tout ça, ça a été un plan orchestré. Je sais pas si j'aurai le temps d'expliquer pourquoi, mais faut que les chefs d'entreprise comprennent qu'il faut surtout pas qu'ils se fassent avoir. Il faut surtout pas paniquer. Les solutions existent. J'en propose une que j'ai utilisée avec succès pour mon entreprise. Vous m'avez fait la gentillesse de mettre l'adresse du site www.csurp.fr. Les gens sont guidés, le kit de sauvetage leur est proposé. Mm. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'État, j'insiste là-dessus, a commis une faute gravissime. Et donc, on est dans le cadre d'une force majeure économique où du fait que l'État nous a supprimé notre chiffre d'affaires par ses mesures de confinement, il doit réparer sa faute. Mm. Donc déjà, une chose qui est certaine, c'est que l'État est à 100% responsable de ce qui se passe. Donc, encore une fois, il doit réparer sa faute. Ensuite, il propose des mesures, des prétendues mesures, mais il faut savoir que ces mesures ne sont pas du tout adaptées à la situation que les entrepreneurs vivent. Au bas mot, c'est 200 000 entreprises qui ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête, comme ma société. Et donc, ces mesures-là ne sont pas adaptées. Quelles sont ces mesures? Alors, ils proposent, alors, il y a une distinction entre les PGE inférieurs à 50 000 euros et ceux qui sont supérieurs à 50 000 euros. En gros, dans tous les cas, en fait, je prends l'image d'une pièce, vous la lancez, l'État, il lance la pièce. Pile, je gagne, face, je ne perds pas. Donc, en fait, on est pris dans une nasse, on est pris dans une nasse, et en fait, nous sommes pris dans un piège. Donc, il ne faut surtout pas rentrer dans ce piège-là. Ce piège est tout simplement le fait que, en fait, vous êtes fiché Banque de France. Alors, ça, c'est quand on passe par la médiation du crédit. Je prends l'exemple d'un restaurateur qui a son four qui tombe en panne, et ben, c'est même plus la peine qu'il a tapé à la porte de son banquier. Il n'aura pas un seul centime qui lui sera délivré. Donc, ça veut dire qu'au lieu de nous aider… Alors, à partir du moment où vous faites appel au PGE, vous êtes fiché Banque de France? C'est-à-dire que… oui, parce qu'en fait, vous êtes classé en prêt non performant. Mm. C'est la réglementation européenne. Et donc, en fait, selon cette réglementation européenne, vous êtes obligatoirement classé par l'État en prêt non performant. Donc, ça veut dire que vous êtes fiché Banque de France. Et en plus… Il y a une autre chose, c'est que si vous acceptez un échelonnement du crédit, si cet échelonnement, ce remboursement va au-delà de 6 ans, eh ben en fait, il faut savoir que l'État, du moins la banque, perd la garantie de l'État des 90%, parce qu'il faut savoir que normalement, si l'entrepreneur ne peut plus rembourser son prêt, c'est l'État qui paye la banque à hauteur de 90%, c'est ce qu'on appelle la garantie de l'État. Oui. Et donc, en fait, si vous échelonnez votre remboursement, il n'y a plus de garantie de l'État. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alerte, alerte. Ça veut dire que la banque, elle, on connaît sa cupidité légendaire, elle va vouloir, elle se dit comment, je ne vais pas pouvoir récupérer mes 90%. Et donc, en fait, eh ben, ce n'est pas dans son intérêt que le prêt soit rééchelonné. Et donc, en fait, ce qu'elle va faire, ils m'ont fait le coup à moi, mais j'aurais coupé l'herbe sous les pieds. Ils vous envoient plusieurs mises en demeure. Moi, au bout de la deuxième mise en demeure, ils m'ont signifié la prononciation de la déchéance du terme de mon PGE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on exige le remboursement de la totalité du prêt. Donc, en fait,
Une fois qu'ils font ça, ça y est, vous êtes foutus. Bah oui. Donc, en fait, vous devez tout rembourser d'un coup, alors que ce n'est pas prévu voilà. Comme ça. Normalement, vous avez le droit à un échelonnement, évidemment. Voilà, mais bon, j'ai expliqué rapidement, mais effectivement, je pense que les auditeurs ont compris que c'est un piège. Donc, ce qu'il faut, avant qu'on vous mette en défaut, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, c'est utiliser la solution que je propose humblement. Alors, allez-y, on vous écoute. Encore une fois, avec succès pour ma petite entreprise. Et ça a marché pour vous, oui. Ah oui, ma banque est neutralisée. Mmh. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est les mettre en demeure et exiger des dommages et intérêts par rapport aux fautes qu'ils ont commises. C'est-à-dire que le droit existe encore. Et donc en fait, il faut savoir que quand les banques accordent un prêt, elles doivent respecter un certain nombre de devoirs et d'obligations, dont notamment vérifier au minimum que l'emprunteur dispose des capacités financières de remboursement, chose qu'elles n'ont pas fait. Et donc, en fait, moi, je m'engouffre dans cette brèche, le droit existe, et donc, en fait, il suffit de les mettre en demeure pour leur rappeler leur faute et leur dire, voilà, moi, je leur ai laissé 15 jours. Dans 15 jours, vous m'indemnisez à hauteur du montant de mon PGE, et si ce n'est pas le cas, je vous assigne devant le tribunal de commerce. Bien évidemment, ils ne m'ont pas indemnisé, et je les ai assignés devant le tribunal de commerce. Ça, c'est une chose. Donc, mais vous avez tout dans votre procédure, alors? Bah, pour l'instant, là, c'est un stand-by. Hein, ils sont bien embêtés. Et donc, je suis en train de travailler. D'autres adhérents du syndicat SIERP sont en train de faire la même chose que moi. Et on va multiplier les procédures partout en France. Mmh. Et en même temps, parallèlement à l'attaque via les juridictions commerciales, on va faire ce qu'il faut. On a pareil des tas d'outils juridiques à notre disposition pour faire en sorte que l'État prévaricateur, il n'y a pas d'autre mot, réponde de ses actes. Oui. Alors deux questions parce que c'est intéressant ce que vous proposez. Finalement, vous vous retournez contre la banque qui vous bloquait elle-même et vous leur dites défaut de conseil. Hop, vous vous retournez devant la juridiction commerciale. Très bien. Deux choses. Cette banque, du coup, une fois que vous entamez une procédure contre elle, elle c'est pas pour autant qu'elle va vous échelonner votre crédit, j'imagine. Elle va pas vous arranger immédiatement votre problème. Ah bah non. Bah non, là. Donc là vous êtes quand même bloqué financièrement. Non, pas du tout, puisque moi j'ai rien remboursé. Ah, vous ne remboursez pas non plus, d'accord. Ouais. Là, de toute façon, quand on en arrive là, c'est parce qu'on est pris à la gorge et qu'on ne peut plus rembourser. Oui, bien sûr, en fait, d'accord. Et si on rembourse, là, c'est fini pour l'entreprise. Et donc, en fait, là, c'est là où réside le caractère machiavélique et même diabolique. Non seulement vous ne pouvez plus rembourser, vous êtes déjà pris à la gorge, et en plus, la banque, elle va vous enfoncer, elle va vous mettre en faillite pour récupérer rapidement ces 90%. Oui, alors, je vois le problème, enfin, je vois le problème et la solution que vous proposez, c'est en effet très ingénieux, et si ça marche, et qu'en plus, il y a un phénomène de fond, c'est-à-dire que vous n'êtes pas le seul, mais qu'il y a une tendance générale, ça va peut-être vraiment faire bouger les choses. Donc, c'est très bien, et on est très heureux de vous recevoir pour ça aujourd'hui. Et j'ai quand même une autre question, c'est qu'ici, vous vous retournez contre les banques, mais vous l'avez dit vous-même, finalement, le responsable aujourd'hui, ici, c'est d'abord l'État. C'est lui qui nous a tous, d'ailleurs, contraints, qui vous a empêchés de travailler normalement pendant cette période Covid, à tort ou à raison. Bon, chacun le déterminera. Et deuxième chose, en poussant les entrepreneurs à faire appel à ce PGE, et ensuite, en l'abandonnant, on reste campagne, alors que l'entrepreneur a plus que jamais besoin d'aide. Mais là, c'est la banque, c'est pas l'État qui est tenu comme responsable avec votre système juridique. Si vous voulez, j'emploie encore le terme à dessein de machiavélique, en fait, c'est toujours pareil, c'est pas moi, c'est les autres, hein. Donc on se décharge sur les banques, oui. Mais les banques, elles y ont tout intérêt. Là, on n'a pas le temps d'expliquer, mais en fait, elles ont déjà récupéré leurs prêts depuis très longtemps avec des marges très juteuses, en utilisant des techniques bancaires, financières, de titrisation notamment. Elles se sont refinancées auprès de la Banque Centrale Européenne. Et donc, comme elles ne sont jamais rassasiées, elles veulent encore en plus nous mettre en défaut. Mmh. Et donc, en fait, tout ça, c'est de la complicité. C'est très difficile à appréhender pour le français lambda. Mais les banques, je le répète, on connaît leur cupidité légendaire. Et elles font pas de sentiments. Et donc, en fait, elles se fichent des drames collatéraux, des entrepreneurs qui se suicident. J'ai eu vent de nombreux suicides. Des entrepreneurs qui tombent dans la drogue, dans l'alcoolisme, qui divorcent. Peu importe. Et tous les salariés qui vont avec, c'est plus possible. Ouais. Donc,
Et je voulais, ça c'est très important aussi, les chiffres que je vais vous donner, le ministre de l'économie les a eu entre les mains. Donc en fait, soit il efface 37 milliards d'euros aux TPE-PME que je représente, hein, les 200 000 qui ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ou soit il renonce à 75 milliards d'euros de PIB. Ouais, je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais c'est au choix. Donc, ce que vous voulez dire, vous participez au PIB, évidemment, mais de toute façon, c'est bien, on le sait, les petits et moyens entrepreneurs sont le maillage de la France, sont la respiration de la France. Si vous disparaissez, c'est toute la France qui disparaît. Donc, voilà. Ça, d'ailleurs, c'est aussi vous qui contribuez le plus à l'imposition, à la fiscalité. Donc, bon, voilà, tout ça, c'est absolument clair et on a bien compris les enjeux et surtout votre objectif. Alors, rappelez quand même le nom de votre site et puis j'imagine là, on peut retrouver toutes les informations. C'est bien www. Pour ceux qui veulent aller directement. CSIERP.fr. CSIERP.fr pour collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs. Dernière chose, Clément, je m'excuse, mais j'en ai pour quelques secondes. Je vous en prie. Très important. Donc, je parlais d'une très grave injustice et d'une faute gravissime de l'État. Parce qu'il faut savoir que la plupart des petites boîtes comme la mienne, c'est des prêts qui ne se chiffrent pas par centaines de milliers d'euros. C'est par dizaines de milliers d'euros. Et donc, en fait, il faut savoir que là, il y a quelques mois, l'État a remboursé 110 millions d'euros de PGE à une grosse boîte toulousaine qui est dans l'aéronautique, hein, je la cite, hein, l'ATECOR. Hein, et donc, cette boîte-là, elle appartient à un groupe américain qui s'appelle Searchlight. Et comme par hasard, son siège social se trouve dans les îles Caïmans. Oui. Et donc, ils sont allés voir leur ami M. Macron, hein, puisque c'est lui qui décide de tout dans ce pays. Et donc, cette grosse boîte de Toulouse, elle s'est vue effacer 110 millions d'euros de PGE. Et nous, les petites boîtes, on est en train de nous faire crever. Mmh. Alors, moi, je ne connais pas l'affaire que vous citez, donc bon, voilà, je peux pas… C'est le canard enchaîné qui l'a révélé. D'accord. En tout cas, c'est sous votre responsabilité. En tout cas, on a bien compris votre cas à vous, qui est un cas concret, et celui de milliers d'entrepreneurs que nous avons déjà reçus ici et qui sonnent comme vous, le tocsin tous les jours en disant « nous sommes étranglés financièrement ». Eh bien, voilà, vous proposez cette solution. Solution et d'ailleurs, information à retrouver sur votre collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs. À très bientôt, Antonio Impelizzeri. On reprendra des nouvelles pour voir justement où est-ce que vous en êtes dans cette affaire. Merci et à très vite. Et nous continuons cette matinale Tocsin Matin. Dans quelques instants, on va revenir sur la mainmise sur les réseaux sociaux au nom de la liberté d'expression voulue par Thierry Breton. On va revenir aussi sur la natalité en Berne, hein, plus que jamais, selon un rapport INSEE. Que faut-il faire pour réagir? Et enfin, tout sur le réseau Epstein, un livre fondamental écrit par le criminologue bien connu Xavier Hofer, qu'on recevra à partir de 9h30. Mais tout de suite, eh bien, on va parler des réseaux sociaux. Le clairon. La première victime de la guerre est la vérité, dit-on souvent, mais quelle vérité? Comment savoir où est la vérité quand chacun détient la sienne? Hier, la guerre en Ukraine, aujourd'hui la guerre israélo-palestinienne, sans compter les débats nationaux. Face à une guerre de l'information que se livre un camp contre l'autre, de nouveaux acteurs entrent en jeu, ce sont les réseaux sociaux qui viennent bouleverser la machine bien huilée de la communication. Alors pour lutter contre ce nouveau trublion de l'information, donc le réseau social devenu indomptable, l'Union européenne a sorti les grands moyens. On vous a déjà parlé ici du Digital Service Act, voté au Parlement européen cet été, qui a pour volonté de contrôler les réseaux sociaux au nom de la démocratie. Je vous rappelle les paroles de Thierry Breton qu'on avait déjà entendues ici, commissaire européen. Le DSA, donc Digital Service Act, est là pour protéger la liberté d'expression face à des décisions arbitraires et en même temps de protéger les citoyens et les démocraties contre les contenus illégaux. Voilà, depuis le DSA, les grandes plateformes, donc à bien se tenir, hein, Google, TikTok et X, anciennement Twitter, doivent supprimer, et tous les autres, hein, dans l'instant, tous les contenus haineux ou qui appellent par exemple à la révolte ou qui appellent à tuer des individus ou à brûler des voitures. Voilà, des exemples cités par Thierry Breton. Et dans cette croisade, Thierry Breton a interpellé Elon Musk sur les réseaux sociaux le 10 octobre dernier. Alors, je cite son tweet. « Suite aux attaques terroristes du Hamas contre Israël, nous avons des indications selon lesquelles X, Twitter, est utilisé pour diffuser des contenus illégaux et de désinformation dans l'Union européenne. » Réponse d'Elon Musk en direct, et tout ça sous nos yeux sur Twitter.
notre politique et que tout est open source et transparent, une approche que l'Union européenne soutient, je le sais. Veuillez lister les violations auxquelles vous faites allusion sur X afin que le public puisse les voir. Merci beaucoup, répond Elon Musk à Thierry Breton. Thierry Breton qui répond vu, merci. Et une dernière réponse d'Elon Musk qui est assez intéressante. We take our action in the open. Nous avons, donc nous faisons nos actions en information ouverte. No backroom deals. Please post your concern explicitly on the platform. Donc en gros, montrez-nous ce qui vous pose problème. Et depuis plus de nouvelles de Thierry Breton, c'est pour cette passe d'armes, on va dire, ce clash entre Elon Musk et Thierry Breton, que nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir comprendre justement les grands enjeux finalement qu'il y a derrière cet échange qui paraît anodin avec Patrice Epelboin. Bonjour Patrice Epelboin. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un entrepreneur, enseignant à Sciences Po et spécialiste des réseaux sociaux. Et évidemment, cette passe d'armes, on va dire, ne vous a pas échappé. Alors, ça peut paraître un peu, ce que je disais, un peu presque humoristique, un peu anodin. Mais finalement, derrière, il y a des grands enjeux politiques hein, derrière cet échange. D'abord, celle de la volonté d'une mainmise de l'Union européenne sur les réseaux sociaux qui, visiblement, échappe, en tout cas, leur échappe avec moins la personne d'Elon Musk. Alors, il y a aussi principalement la réalisation assez tragicomique de la part de Thierry Breton et vraisemblablement de la plupart des législateurs qui ont participé à cette loi, qu'une modération humaine, certes, c'est préférable à une modération algorithmique. On rappelle que Mark Zuckerberg avait tenté de faire croire à Emmanuel Macron que l'intelligence artificielle allait tout résoudre avant qu'un an plus tard, des fuites venant de Facebook montrent qu'en interne, les plus grands spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle n'y croyaient pas un instant. Ce qui avait enjoint les législateurs à insister dans le fameux DSA à avoir une modération humaine, mais à perdre totalement de vue que les ressources humaines ne sont pas extensibles du jour au lendemain, oui. Et que dans le cas d'une crise, ce qui est... C'est un euphémisme, mais c'est ce que nous traversons. Oui. Les besoins en modération allaient être multipliés du jour au lendemain par 10, si ce n'est 100, et qu'on ne pouvait pas multiplier ces ressources humaines par 10 ou par 100 du jour au lendemain. Mmh. Breton a envoyé ce type de missive à absolument tout le monde, de TikTok à Facebook en passant par Instagram et Twitter. Et Twitter, qui est la bête noire de l'ensemble des médias, et on peut le comprendre, hein, Elon Musk a juré la mort du journalisme, les journalistes le rendent bien, on est dans une bataille rangée depuis l'acquisition de Twitter. Et Twitter, malheureusement pour eux, est le seul à avoir une amorce de solution. Pas forcément la solution ultime, c'est loin d'être parfait, hein. Mais Twitter, qui n'a absolument pas les moyens de Facebook, a décidé, de façon assez maligne d'un point de vue business, de distribuer la modération auprès des utilisateurs. Alors, c'est très malin d'un point de vue business parce que c'est une force de travail qu'on ne paye pas. Ouais. Vous parlez des fameuses Twitter notes, enfin des notes maintenant auxquelles on peut participer. Oui. Je parle des community notes, mais je parle aussi de la gestion de la visibilité. Alors, le fameux Shadow Ban qui a beaucoup fait parler de lui, qui jusqu'ici était géré de façon centralisée par une task force de modération, aujourd'hui est géré par tout un chacun. Si je vous bloque, je diminue votre visibilité. Si vous me bloquez, vous diminuez ma visibilité. Et comme je suis membre premium, je vais plus diminuer votre visibilité que vous qui n'êtes pas membre premium, allez diminuer ma visibilité. D'accord. Il y a tout un ensemble de règles transparentes et ouvertes, dans la mesure où le code est public, qui gèrent ce fameux shadow ban et qui sont dans les mains de tout un chacun. Il y a toujours certainement une modération centralisée, hein, mais elle est très largement distribuée. Et ça lui permet de monter en charge de façon très facile. Parce que en cas de crise, les utilisateurs sont très nombreux et vont massivement prendre en charge cette modération. Ouais. C'est pas parfait, il y a quelques dérives à droite à gauche, mais c'est capable de monter en charge et c'est le seul système de modération qu'on imagine aujourd'hui qui est capable de monter en charge. Oui, mais justement, est-ce que c'est à ça dont fait référence Elon Musk quand il dit « no backroom deals » ? En gros, nous, on met tout en transparence et il n'y a pas d'algorithme caché ou autre. Non. Je pense que ce à quoi fait référence Elon Musk, c'est le fait que tout le scandale des Twitter Files a été passé sous silence et que ça a révélé, entre autres, des backroom deals. Que ce soit en interne au sein de la société Twitter avec des employés qui ont littéralement pris le contrôle de la société et une large partie de la modération un peu loufoque de Twitter d'avant Elon Musk
est liée plus à une forme de révolution et de prise de contrôle de la société par ses employés. Et puis, l'insistance bienveillante du FBI, oui. qui, sous prétexte qu'il y avait des Russes partout, et on sait aujourd'hui que les Russes se sont retirés du territoire américain, je parle des trolls russes, se sont retirés du territoire américain à peu près en 2018-2019, vu qu'on les a retrouvés sur le territoire du Sahel, ont utilisé les Russes pour éliminer une quantité d'opposants politiques au camp des démocrates, y compris des élus républicains, y compris des candidats à l'élection républicaine. Enfin, ça a été un massacre. On sait également qu'il y a eu de telles manipulations avec l'insistance bienveillante du FBI sur tout ce qui concernait l'information Covid. Je dis insistante bienveillante parce qu'il n'y a pas d'ordre direct et que d'un point de vue légal, c'est très important. S'il y avait eu un ordre direct, on serait vraiment dans le premier amendement et là, on serait sur un casus belli. Ça n'est pas le cas alors qu'il est. Alors, on a quand même appris avec les commissions d'enquête républicaines américaines que le FBI avait une cellule au sein de Twitter. Okay. Oui, mais ça, c'est le cas absolument partout. Vous en avez oui. une chez Orange, pas du FBI, bien sûr, mais vous avez une cellule des renseignements chez Orange qui est d'une taille très conséquente. Vous en avez une chez tous les opérateurs telco. Et si on avait un Twitter français, il y aurait une cellule des renseignements. Ça n'est pas intrinsèquement choquant. On a quand même des réseaux sociaux qui ont servi à faire le recrutement de Daesh. C'est pas délirant d'imaginer que les renseignements aient un contact de direct. Le fait qu'il y ait des revolving doors, c'est quelque chose qui est hérité de l'industrie bancaire où habituellement, typiquement sous l'administration Obama, on avait des gens qui passaient de la banque à l'administration publique et qui ensuite revenaient à la banque et revenaient à l'administration publique. Aujourd'hui, c'est courant dans la plupart des démocraties occidentales avec différentes industries, la banque étant évidemment prioritaire, mais il n'y a pas que. Et on a observé chez Twitter, mais vraisemblablement on trouverait la même chose chez Facebook, c'était transparent, ce même type de stratégie de gens qui vont du FBI chez Twitter et qui établissent des relations. Encore une fois, ça c'est pas ce qu'il y a de plus choquant et c'est relativement normal dans la mesure où ces réseaux sociaux sont utilisés par des puissances étrangères pour faire de l'influence, sont utilisés par des groupes terroristes pour faire du recrutement et de la propagande. Il n'y a rien d'ahurissant à ce que les services de renseignement aient un pied là-dedans. Le tout est que ce soit fait dans les règles, selon des lois, avec une certaine transparence et un certain contrôle. Et c'est là où éventuellement les questions peuvent se poser, justement avec ces fameux Twitter files que vous citez. On a vu aussi qu'il y a eu des contenus qui ont été effacés sur des prises de position, on va dire éditoriales en tout cas, de Twitter de l'époque, qui considéraient que certaines informations ne devaient pas passer, qui ont empêché de la visibilité de certains tweets. Notamment sur des questions sanitaires. Il y a aussi le chapitre de la gestion de la crise Covid. Et c'est important de séparer les différents chapitres parce qu'il y a beaucoup de révélations dans les Twitter files. Et comme elles n'ont pas été traitées par la presse, on a tendance à faire un tout de l'ensemble des révélations et tout mélanger. Il y a une problématique qui a été soulevée sur la gestion de la crise sanitaire, ou plus exactement la gestion de la communication autour de la crise sanitaire américaine. On n'a aucune information sur la version française. Y a une question qui a été posée sur la censure, on va dire à la hache, de l'opinion publique républicaine aux États-Unis. Et ça, le FBI est impliqué. Oui. Et puis, il y a tout un ensemble de règles qui ont été accumulées au fil des années sur la visibilité des comptes et des idées. Qui ont impacté les trending topics, qui eux-mêmes ont un impact phénoménal sur la presse aux quatre coins de la planète, et qui là n'est pas vraiment du fait du FBI, qui est vraiment le fait, et c'est quelque chose d'assez intéressant à regarder, qui est le fait d'une entreprise qui a perdu le contrôle, d'une direction d'entreprise qui a perdu le contrôle, d'une gouvernance d'entreprise qui s'est décomposée, et qui a cédé la main aux initiatives individuelles et collectives de ses employés, qui évidemment étaient tous marqués politiquement. On est dans la Silicon Valley, et on est dans une entreprise qui est à quasiment 100% totalement démocrate. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement à quel point Elon Musk a révolutionné tout ça, a révolutionné la Silicon Valley et puis les GAFAM avec sa méthode à lui? Révolutionner la Silicon Valley, j'ai envie de dire pas plus que Steve Jobs, un peu plus quand même dans la mesure où il s'est attaqué à des choses qui sont, j'allais dire, très loin du logiciel, non, parce qu'il y a du logiciel partout, mais les fusées, les voitures électriques, le paiement en ligne,
Il a fait la démonstration qu'il était capable d'attaquer des secteurs d'activité extrêmement divers. Et ça, c'est quand même une première. Il faut quand même remonter à très, très loin pour voir des gens dans l'histoire de l'industrie américaine qui ont des spectres aussi larges. Là où il a révolutionné Twitter, si on peut appeler ça une révolution, c'est qu'il a juste mis à la porte la totalité de la force de modération et qu'il les a remplacées par de l'algorithme. Et en l'occurrence, les community notes, c'est plus ce que je vous ai décrit précédemment, qui est une capacité de tout un chacun de régler la visibilité de tout un chacun à travers ses actions, ses interactions. Oui, mais est-ce que c'est justement ça, c'est cette forme de... Est-ce qu'on peut parler de liberté d'expression, donc de vraie liberté d'expression, dans le sens où ça peut aller dans tous les sens, jusqu'au danger de la liberté d'expression, aux limites en tout cas. Est-ce qu'on peut parler du fait que ça... Est-ce qu'on peut comprendre que ça puisse effrayer les gouvernements, et notamment Thierry Breton, cette forme de liberté totale sur Twitter, sur Twitter X. Il n'y a pas de liberté totale. D'abord, il y a un énorme cultural gap entre les États-Unis et l'Europe. Hein, et au sein de l'Europe, il y a un énorme cultural gap d'un pays à l'autre. Hein. Je pourrais vous sortir des choses qui passeraient inaperçues en Pologne et qui seraient affreusement choquantes et probablement illégales en France et inversement. Mmh. Donc, la liberté d'expression, c'est vraiment un concept politique qui est très, très, très localisé. La version américaine, jusqu'ici, régner sur Twitter et l'ensemble des réseaux sociaux. Oui, hein. Oui. Pour être très clair, les journalistes se sont égosillés en hurlant au scandale de la liberté d'expression absolutiste d'un Musk libertaire. C'est celle qui régnait sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que Musk rachète Twitter. Il y a un moment, il faut aussi regarder les faits et arrêter de se foutre de la gueule du monde. En France, on n'a pas particulièrement de liberté d'expression. Typiquement, si j'atteins votre liberté d'expression, vous n'avez rien dans le code pénal qui vous permette de m'attaquer en justice. C'est un concept flou. Alors, on n'est pas pour autant dans un régime dictatorial, mais on est face à une classe politique qui, de façon relativement unanime, a très très peur de la liberté d'expression. Et du coup, qui, n'étant plus en mesure d'user de sa bienveillante influence auprès des médias pour faire office de filtre, dans la mesure où les médias, en France tout particulièrement, ne recueillent plus du tout la confiance du public et que le public qui veut vraiment s'informer va directement à la source et aux faits, ce qui pose d'énormes problèmes. Hein, il ne faut pas non plus être naïf. Hein, la plupart des gens dans le public n'ont pas les moyens et n'ont pas les compétences pour faire ce genre d'action. C'est un travail de journaliste. Il faut croiser les sources, il faut prendre du recul face à l'information, il faut être en mesure de la contextualiser, ce qui nécessite quand même pas mal de culture générale. 99% des gens n'ont pas tout ça et ne sont pas en mesure d'aller directement au fait. Donc, on peut comprendre que les politiques soient effrayés, et particulièrement dans une période de crise qui, on le voit bien, suscite des réactions extrêmement violentes au sein, pour l'instant, d'une partie de la population, mais on le voit aux États-Unis, qui peuvent très facilement se répandre sur l'ensemble de la population et mener à des confrontations très violentes. Il est logique que les politiques soient terrorisées. Mmh. Et donc, le réflexe du politique... pour être caricatural, si on était en Afrique, les réseaux sociaux seraient éteints depuis belle lurette. Ça se fait régulièrement dans une multitude de pays d'Afrique. Hein, c'est courant, absolument courant, quasiment peut-être pas tous les mois, mais plusieurs fois par an, vous avez, à l'occasion d'une élection, à l'occasion de manifestations, à l'occasion de tout un tas de choses, on coupe les réseaux sociaux. Mmh. Et puis, on rallume les réseaux sociaux quelques jours plus tard, et on s'aperçoit que le président a été élu et que ça ne pose aucun problème, ou ce genre de choses. Mmh. On n'en est pas là en Europe, mais c'est très clairement, si ça pouvait se faire sans que ça ne pose problème, ça serait fait. Et Emmanuel Macron, lors des émeutes, a lancé l'idée que ça pourrait arriver. Et les émeutes sont d'ailleurs un bon exemple de problématiques de modération de réseaux sociaux qui ne peuvent pas monter en charge, là encore, et qui du coup permettent ce genre de mouvement qui, il faut le reconnaître, hein, si on avait coupé les réseaux sociaux au moment des émeutes, elles se seraient arrêtées dans les 24 heures. Oui, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ils tentent de contenir les appels à la révolte sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est leur explication. Oui, c'est pas possible. Les émeutes, alors il n'y a pas de chiffre officiel, hein, et on n'en aura jamais. Mais certains chiffres parlent de 200 000 participants, et vu le nombre de points qui ont été l'objet d'émeutes, le nombre de villes qui ont été l'objet d'émeutes, c'est des chiffres qui sont crédibles. À partir de là, vous ne pouvez pas, là encore, passer de 100 modérateurs à 10 000 modérateurs, parce que c'est vraiment cette ordre de magnitude dans le différentiel de force de travail qu'il faut mettre en face des réseaux sociaux pour les modérer, dont il s'agit. Donc on est face à un problème qui n'est pas résoluble
sauf dans le cas de Twitter qui a mis en place tout ça, vraisemblablement en sachant très bien ce qu'il fait. Hein, c'est moi, mon opinion, c'est un poil conspi, c'est que Musk a tendu un piège à Thierry Breton et que Thierry Breton a mis 9 mois à s'en apercevoir, que Musk savait très bien que la montée en charge n'était pas possible, que les dérives du système centralisé étaient bien placées pour savoir que ça n'était pas viable à terme. Et en face, il a des gens qui ne comprennent absolument rien aux problématiques de modération, qui ne comprennent absolument rien aux technologies, et qui, voyant qu'il s'était fait arnaquer par le précédent, qui était Mark Zuckerberg, sur la modération par intelligence artificielle, ont bien spécifié dans le DSA qu'il s'agissait de modération humaine. Bon, ils se sont fait avoir. Musk en a profité pour torpiller son plus grand rival, qui est Facebook. Parce qu'on ne peut pas imaginer ce type de modération dans Facebook, vu que Facebook, c'est un amoncellement d'espaces privés, semi-privés et publics. Donc, ça marche quand tout est public, ce genre d'approche de la modération. Seulement, vous avez des groupes privés, ça ne peut plus marcher. Et donc, très concrètement, Facebook est face à un problème qui ne pourra pas résoudre, alors que Twitter pourrait afficher, tel que je vous le fais là, une solution qui, dans l'absolu, est raisonnable et paraît viable. S'il n'avait pas l'ensemble de la presse qui passait son temps à lui taper dessus, il aurait déjà remporté cette bataille. Mais il l'a peut-être déjà remporté malgré la presse d'ailleurs. Un dernier point avant de conclure, Fabrice Eppelboin, ce sont justement, vous en avez parlé, ces community notes qui aussi, on disait que ça pouvait faire que beaucoup de choses chez Twitter pouvaient faire Twitter X, donc pouvaient faire peur aux réseaux sociaux, enfin au gouvernement européen. Là, on voit que ces community notes ont repris plusieurs fois, on a des exemples, ont repris même des informations données, des communications données par nos propres ministres. On avait la communication du ministre de la Santé qui disait que les vaccins n'avaient aucun effet secondaire. Pouf, community note qui rappelle qu'il y avait eu, je crois, 90, enfin une centaine de remboursements officiels d'indemnisation à cause des effets secondaires. Et puis là, dernièrement, on a Gérald Darmanin qui a tweeté sur le nombre d'étrangers radicalisés qui ont été expulsés en montrant que c'était des chiffres qui étaient à la hausse. Et puis la note suggère qu'en fait, non, ce sont des chiffres cumulés. Un peu plus subtil que ça, il a montré un graphique cumulatif, hein, ce qui pour des gens qui ont fait des mathématiques et de la physique est une façon de présenter la donnée, mais dans des conditions très particulières, qu'on veut montrer des phénomènes très particuliers, typiquement pas du tout pertinent pour ce genre de représentation graphique. Donc pour les gens qui ont fait des études scientifiques, c'est à mourir de rire, et effectivement, on s'aperçoit à travers ces community notes que la plupart du temps, les politiques mentent. Et que ça a toujours été comme ça. Ça n'a absolument rien de nouveau. Ce que les committee notes mettent en valeur, c'est que habituellement, c'est le rôle des journalistes de reprendre les politiques. Oui. Or, ce rôle a été littéralement abandonné. Checks, ceux qui sont censés vérifier les informations, justement. On ne va pas s'étendre sur ce genre de choses, parce que là, c'est un long chapitre. Oui. Mais est-il que ce travail qui est de reprendre, de reprendre une information qui est fausse, de la valider ou de l'invalider, de la contextualiser, c'est un boulot de journaliste. Et ce boulot n'est plus fait aujourd'hui. En France, tout particulièrement, vraiment, j'insiste, il y a un différentiel énorme, c'est comme la liberté d'expression. Si vous regardez la confiance que la population porte aux médias, elle est de 25% selon Reuters, c'est pas des chiffres fantaisistes, elle est de 25% en France, elle est du double. Si vous traversez le Rhin, vous allez en Allemagne. Elle est de près de 70%, un peu moins de 70% en Suède. Oui. Donc, on a des disparités considérables au sein du continent européen. Des Suédois écouter cette conversation, il ne comprendrait pas ce qu'on reproche aux journalistes. Parce que justement, les journalistes ici en France ont été trop souvent unanimes et dans une seule mouvance et dans un seul courant idéologique, non ? C'est compliqué. La situation du journalisme est très compliquée. On a d'abord un phénomène qui est peut-être plus accentué en France qu'ailleurs, qui est un corporatisme où on ne s'excuse jamais, où on ne fait pas le ménage en interne et où il faut vraiment que quelqu'un en arrive à son 15e viol pour que éventuellement on considère qu'il est temps de le dénoncer et de l'éjecter de la profession. Je parle de Patrick Poivre d'Arvor. Patrick Poivre d'Arvor, très honnêtement, j'étais adolescent, j'étais au courant de cette réputation. Pourquoi est-ce qu'on a attendu 35 ans et je ne sais combien de viols pour se dire qu'il serait peut-être temps de le mettre à la porte ? Je ne sais pas. Mais le corporatisme, il y est pour beaucoup. C'est une profession où on ne s'excuse pas, où on n'admet jamais ses fautes et où on protège n'importe qui. Donc, à partir d'un moment,
On n'est pas du tout face à une profession où ils sont tous pourris et tous menteurs. On est dans une profession où le plus pourri et le menteur sera défendu par, y compris le plus intègre et celui qui fait preuve de la plus grande probité. Donc, ça donne une moyenne par le bas et ça donne une confiance qui s'effondre. Par ailleurs, c'est aussi une profession qui est essentiellement nourrie par des gentils milliardaires qui s'achètent de l'influence et qui ne vont pas tarder à arrêter, d'ailleurs, parce que l'influence chute de jour en jour. Ça ne fonctionne plus, oui. Et puis nos impôts. Et donc, au final, les seuls journalistes, c'est d'ailleurs assez facile à vérifier, hein, les rares journalistes qui font encore ce métier démocratique de mettre des bâtons dans les roues des politiques, c'est ceux qui sont payés par leurs lecteurs. Hein. Si vous pensez à des choses comme Mediapart, qu'on aime ou non Mediapart, Mediapart, c'est payé par ses lecteurs, et Mediapart est le seul, enfin l'un des très très rares médias qui, en France, met des bâtons dans les roues aux politiques, de tous bords, et joue son rôle de quatrième pouvoir, d'empêcheur de tourner en rond. Grâce à Mediapart, on s'est débarrassé quand même de quantité de politiques corrompues. Malheureusement, très objectivement, on se creuse la tête pour trouver un second exemple en France. Donc, dans un pays de près de 70 millions de personnes, c'est absolument pas normal d'en être à ce point. En termes d'enquête, oui, après, il y a énormément. Et c'est justement, il y a un florilège aujourd'hui de médias dits alternatifs qui sont financés en effet par les dons de leurs lecteurs, dont nous faisons partie, et qui montent en puissance. Ça montre quand même que justement, non, en effet, il y a... Non, ils ne montent pas en puissance, ils ne sont pas en mesure de faire de l'investigation face aux médias. Oui, ça c'est sûr. Le seul qui a réussi à être suffisamment puissant pour commencer à jouer un rôle de quatrième pouvoir, et qui est d'ailleurs détesté le pouvoir, c'est Thinkerview, et avec typiquement l'affaire Alstom, la vente d'Alstom par Emmanuel Macron, avec toutes les conséquences qu'on n'a pas terminé de voir. Mais en dehors de ça, on a l'émergence de médias alternatifs, mais pas de contre-pouvoirs alternatifs à travers ça. Vous avez raison. On est dans une situation très, très bancale d'un point de vue démocratique. Oui. Eh ben, en tout cas, merci Fabrice Appelboin de tirer de ce Del Toxin, vous aussi, à ce sujet, et puis de continuer à nous renseigner sur ce qui se passe, notamment sur les réseaux sociaux et la liberté d'expression. Merci encore. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, enseignant à Sciences Po et spécialiste des réseaux sociaux. À très bientôt. On a complètement débordé l'horaire. C'est de ma faute de cette interview. Vous continuez en tout cas à nous suivre et être toujours plus nombreux. Je crois qu'on a dépassé les 2000 auditeurs en ligne. On continue, on essaye de battre un nouveau record. Dans quelques instants, on va parler du suicide démographique français. On recevra au bon tweet français un petit peu plus tard parce qu'on a perdu du temps. Alors tout de suite, on parle du suicide démographique avec cette chute de la natalité qui n'a été jamais vue depuis 1945. Corps. Corps à corps. Oui, je vous le disais, ce sont les pires chiffres depuis l'après-guerre. Hein. La natalité française est en berne et en crise. Ce sont les chiffres de l'INSEE, hein, l'Institut national de la statistique et des études économiques, publié le 28 septembre dernier. Alors, je vous les donne. Hein, au premier semestre 2023, 334 000 bébés sont nés sur notre territoire. Donc, à peu près, on est aux deux tiers de l'année, environ 35 000 naissances de moins en 2023 qu'en 2022, soit une baisse de 7,2% par rapport à l'année précédente, qui était elle-même déjà en baisse de 2,2% par rapport à l'année d'avant. Voilà, une tendance qui, de toute façon, dure depuis des décennies en France. Je l'ai dit, on est dans les pires chiffres depuis 1945, et qui ont fait d'ailleurs l'objet de questions au gouvernement. Je vous propose d'écouter, c'était la sénatrice des Hauts-de-Seine, Marie-Do Hachliman, le 11 octobre dernier, qui interroge justement sur ces chiffres et l'alertant. Depuis 2011, la natalité est en chute libre dans notre pays et vous regardez ailleurs. L'INSEE vient malheureusement de confirmer une nouvelle fois une nouvelle baisse de la natalité et 2023 pourrait être la pire année depuis 1945, avec seulement 700 000 naissances. Les raisons, on les connaît. C'est d'abord le démantèlement de la politique familiale sous François Hollande. Baisse du quotient familial, de la PAJE. Modulation des allocations en fonction des revenus parentaux. Plafonnement des ressources. Congé parental insuffisant. Depuis 2017, malgré diverses annonces, rien n'a été fait pour soutenir les familles et leur redonner confiance. Promesse de créer des places en crèche, rendue vaine par l'étranglement financier des communes. Manque de personnel qualifié, gel des prestations familiales. Au fond, avec la fin de l'universalité, la politique familiale est devenue une politique essentiellement
sociale qui ne compense plus la charge de l'entretien et de l'éducation de l'enfant. Voilà, et puis vous avez la réponse, on va la passer rapidement, d'Aurore Berger, donc, qui répond à cette question de la sénatrice des Hauts-de-Seine, sénatrice LR d'ailleurs, je précise. Aurore Berger, toujours dans ses questions au gouvernement, ministre des Solidarités et des Familles, écoutez-la. Quand on parle des grandes transitions qui sont devant nous, la transition évidemment écologique et énergétique, il y a aussi la question de la transition démographique. Nous avons d'un côté le choc démographique devant nous, la question du vieillissement de la population, mais nous ne pouvons pas avoir dans le même temps ce risque de baisse de la natalité que nous constatons, comme vous l'avez relevé, depuis 2011. Et c'est la raison pour laquelle nous devons réaffirmer ce que doit être la politique familiale dans notre pays, une politique familiale universelle. Voilà, donc elle, Aurore Berger, qui redéfinit la volonté du gouvernement de prendre en considération une nouvelle politique familiale dans ce pays, et elle égrène ensuite des solutions qu'elle avait déjà évoquées plus tôt. Alors, est-ce qu'on prend vraiment conscience de l'ampleur du problème? Quelle est l'ampleur du problème? Quelles sont d'ailleurs les causes et les conséquences? Eh bien, pour mieux comprendre tout cela, je suis avec mes deux invités. Bonjour Raymond Debord. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes docteur en sciences humaines et humanités, auteur de « Faut-il en finir avec la famille » aux éditions Critique, et dernièrement « L'individu contre la société » toujours aux éditions Critique. Et nous sommes également avec Stéphane Buffetot. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes ancien dirigeant du MPF, le Mouvement pour la France, député européen, membre du Comité économique et social européen et auteur de ce livre « Oui, la France a un avenir » aux éditions Le Rocher. Alors, à tous les deux, ce sont des questions qui vous concernent, que vous travaillez depuis longtemps, cette question de la natalité. On avait déjà d'ailleurs fait un sujet ensemble. Aujourd'hui, finalement, est-ce qu'on va enfin prendre conscience de l'ampleur du problème, comme le suggère cette question au gouvernement, ou est-ce seulement à l'occasion de ce rapport de l'INSEE, puis de nouveau, on va balayer et mettre la poussière sous le tapis? Raymond, d'abord. Écoutez, c'est difficile de faire des, de faire des pronostics, en particulier de spéculer sur les intentions gouvernementales. Ce qu'on peut constater, et ça c'est relativement nouveau, y compris dans le ton d'ailleurs de des déclarations d'Aurore Berger, c'est que le problème, effectivement, que nous pointions avec vous sur une autre antenne l'année dernière, semble avoir été pris en compte, au moins dans son importance. En plus, ça a été aussi évoqué à travers le débat sur la réforme, entre guillemets, des retraites. Et justement, ça a été trop peu évoqué pendant cette réforme. C'est vrai que ça a été peu évoqué. Donc après, concernant les déclarations gouvernementales, ce que je dirais, c'est qu'il faut, évidemment, la question, ça va être de passer de la prise de conscience affichée d'un problème à des solutions et à des préconisations. Or, pour l'instant, on en est loin, comme ça a été dit précédemment sur les histoires de crèches, par exemple. Vous avez aussi le débat sur le congé parental. Et puis, vous avez le fait que le service public de la petite enfance qui devait être mis en place, finalement, s'est fait retoquer à l'Assemblée nationale pas plus tard que le 3 octobre dernier. Alors, ce n'est pas la faute du gouvernement, en l'occurrence, mais c'est simplement que c'était confié aux communes, semble-t-il, dans des conditions financières qui ne permettaient pas la réalisation des objectifs affichés. Donc ouais, voilà, tout à fait. On en est là. Alors d'ailleurs, on n'a pas entendu Aurore Berger jusqu'au bout, mais elle pointe du doigt finalement le quinquennat Hollande. Elle explique que le quinquennat Hollande a limité le quotient familial, ils ont baissé les allocations familiales, elles ont eu une incidence parce que c'est à partir de là, cette date, qu'il y a une baisse progressive de la natalité, dit-elle. Est-ce que c'est ce quotient familial qui a vraiment joué aussi dans cette chute de la natalité, Stéphane Buffetot, où il y a vraiment des causes beaucoup plus profondes? Alors, je pense qu'il y a des causes plus profondes qui sont des causes sociétales. Mais en fait, j'ai rédigé trois rapports sur la question démographique en Europe, l'un allemand de la présidence allemande, l'autre de la présidence hongroise, et le dernier, le plus récent, à propos de la demande de Croatie. Je vais vous citer, pour ce qui est de la prise de conscience, ce que disait la Commission européenne en 2005. Oui. Même un petit peu longtemps. Oui. L'effondrement démographique en Europe consiste en un phénomène sans précédent. Bon, c'était en 2005.
Et depuis, il n'y a rien n'a été fait. Et en vérité, aujourd'hui, Mme von der Leyen, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que les migrations sont essentielles pour permettre à l'Union européenne de faire face aux besoins actuels et futurs de compétences. Donc pour l'Union européenne, finalement, la solution, c'est l'immigration. Oui. Alors, pour ce qui concerne la France, dans les études que j'avais faites avec, pour la Commission européenne et le Conseil, ce que j'avais pointé, à l'époque, la France était citée en exemple, hein, c'est que la politique française reposait, et son succès reposait sur des facteurs qui étaient simples. Il y avait la permanence. C'est une politique qui avait été initiée non pas par le maréchal Pétain, mais en fait par le Front populaire, et qui avait été réaffirmée ensuite par tous les gouvernements, quels que soient les changements de régime et de république. Ensuite, il y avait des dispositifs avec des aides directes, c'est les allocations familiales, des gardes d'enfants efficaces, le congé parental, les allocations de maternité, et puis le quotient familial. Et en fait, on voit que M. Hollande, il a détruit trois choses. D'abord, évidemment, le principe de l'universalité, mais surtout, il a dit, ben, finalement, la politique familiale n'est plus une politique permanente de toutes les républiques, quelles qu'elles soient. Premier point. Donc, ça a créé une incertitude pour les parents ou futurs parents, ce qui est très mauvais, puisque par définition, un projet familial, c'est dans le long terme. Oui. Ensuite, des aides directes, il les a mises sous conditions de ressources, il a exclu un certain nombre de familles de celles-ci. Et donc, deuxième facteur d'incertitude, et puis le quotient familial a été diminué à plusieurs reprises. Ce qui veut dire qu'on a ancré dans l'esprit des gens que finalement, la politique familiale, c'était une variable d'ajustement de la politique sociale, ce qui est une calamité, qui peut être une des raisons, effectivement, et qui est certainement une des raisons, mais qu'une des raisons, de cette baisse démographique. Quand on voit les courbes de l'INSEE, on voit que la courbe des décès et les courbes de naissance ne cessent de se rapprocher. Vous savez que dans beaucoup de pays d'Europe, non seulement elles se sont rapprochées, mais elles se sont croisées. Et donc, par exemple, en Allemagne, il y a chaque année plus de décès que de naissances, qui veut dire que si vous avez des investissements à faire, faites-les plutôt dans l'industrie des cercueils que dans l'industrie des poussettes. C'est très joyeux ce que vous nous évoquez là. Alors, mais malgré tout, on est très nombreux ici sur Tocsin Matin, justement pour sonner le tocsin et sur plusieurs sujets. On a parlé des entrepreneurs tout à l'heure, de la liberté d'expression sur les réseaux et désormais le suicide démographique français. Donc continuez de nous relayer, de mettre des pouces vers le haut, des smileys, tout ce que vous voudrez pour faire monter justement cette vidéo qui est en train de monter en puissance. Raymond Demort, justement, on a évoqué les gardes d'enfants, les aides directes, le quotient familial, tout ça, ce sont des questions pratico-pratiques, mais essentielles, évidemment, fondamentales pour rassurer des familles. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de fond, finalement, de volonté, presque civilisationnelle, d'encourager la famille ou pas? Et pour le moment, je pense, et je peux en parler en connaissance de cause, que les familles ne sont pas encouragées en France. Et ça revient avec votre livre, hein, « Faut-il en finir avec la famille ?» Je dirais que je pense pas que ce soit civilisationnel dans le sens où, dans l'état actuel des choses, ça touche toutes les civilisations. C'est-à-dire que c'est un phénomène mondial qui a été analysé depuis fort longtemps, parce que l'ouvrage classique sur la question d'Adolphe Landry, il date de 1934. Donc, vous voyez, c'était pas hier matin. Et donc, ce phénomène de révolution démographique, il touche tout le monde. Grosso modo, l'idée, c'est que à partir du moment où on a moins d'enfants qui meurent en bas âge, pendant toute une période, les gens continuent à faire des enfants en grand nombre comme avant. Et puis, au bout d'un moment, il y a un phénomène d'ajustement qui s'opère et ça enclenche une baisse de la démographie. Or ça, vous le voyez partout, y compris dans les pays qui aujourd'hui ont des taux de natalité évidemment beaucoup plus importants que le nôtre, mais dans l'Afrique subsaharienne, même si c'est très largement positif encore, on est déjà dans un phénomène où d'année après année, la natalité décline. Donc la question qui se pose à nous, je le poserais plutôt de la manière suivante, c'est de dire, sachant que dans le cas de la France, on est quand même dans une situation qui est moins catastrophique qu'ailleurs,
est-ce qu'il est encore possible d'agir pour assurer le renouvellement des générations ? Voilà. Mmh. Parce que alors, les chiffres qui sont donnés, c'est des chiffres qui sont des chiffres annuels, mais qui sont en fait des projections oui. sur la base du nombre théorique d'enfants que pourraient avoir les femmes oui. sur la fin de la moyenne. Oui. Oui. Après, ce qui compte, c'est la descendance finale. La descendance finale en France, c'est-à-dire pour renouveler les générations, il faut 2,1 enfants par femme en moyenne. On est en dessous depuis longtemps, depuis 1975 si mes souvenirs sont bons. Pour autant, on est encore presque à 2. Donc il n'est pas trop tard pour qu'une politique puisse agir. Mais dans un cadre global qui est un cadre dépendant. La Russie, par exemple, a une démographie catastrophique. Mmh. Bon, je précise, on a des auditeurs beaucoup qui réagissent. Il y en a un qui dit qu'il a 7 enfants et qu'il réfléchit au 8e. Donc voilà, au moins une famille Bravo. Qui participe au renouvellement de la population. Stéphane Buffetot, justement, alors vous, même question, est-ce que vous considérez ici, sans parler peut-être de défis civilisationnels, mais en tout cas... Qu'en dehors des questions pratico-pratiques qui concernent évidemment tous les parents et qui peuvent inquiéter les parents si on n'est pas rassuré sur la présence d'une crèche, d'une garde ou d'un quotient haut niveau, est-ce qu'il y a aussi un problème de fond sur le fait de peut-être de ne plus encourager la famille, de ne plus encourager même ce schéma, cette cellule familiale ? Alors, il y a bien évidemment ce qui a été décrit par Raymond tout à l'heure, ce qu'on appelle en fait la transition démographique. De façon stricte, la transition démographique, c'est ce phénomène, effectivement, où on passe d'un moment où il y a beaucoup de mortalité et donc une natalité élevée à une période où il y a peu de mortalité ou moins de mortalité et donc la natalité baisse. Bon, ça, c'est un phénomène effectivement mondial. Ensuite, il y a un environnement. Moi, je peux vous raconter des anecdotes qui donnent un peu l'état d'esprit. Hein, quand on parle avec certains fonctionnaires européens, et il nous explique que finalement la famille c'est embêtant pour les carrières des femmes. Ouais. Mmh. Bon, donc il y a déjà cet esprit-là. J'avais été à Genève dans une réunion organisée par l'ONU, son agence sur la démographie. Et il y avait un démographe qui nous expliquait qu'il fallait en finir avec le culte du 2.1. Alors ce qu'il appelait le 2.1, c'était le taux de fécondité des femmes. Il disait, en gros, l'ONU a l'idée qu'il y a trop d'êtres humains sur Terre et qu'il faut diminuer le nombre d'humains sur Terre. Et donc, je me souviens très bien, il faut en finir avec la dictature du 2.1. Et donc, c'est une communication officielle de l'ONU. C'était pendant un groupe de travail pour préparer une manifestation qui devait avoir lieu l'année suivante. Mmh. Je me souviens très bien de ça. Et donc... on est là dans un phénomène général un peu malthusien. Je me souviens aussi un jour au CES européen d'une oratrice qui nous avait expliqué qu'il y avait une inégalité fondamentale entre les hommes et les femmes au regard de la maternité. Bon, et donc il veut dire que pour elle la maternité n'était pas quelque chose qui était non seulement inhérent à la nature féminine, mais en plus qui faisait aussi sa grandeur, mais à une sorte de handicap. Voyez, tout cet environnement est absolument détestable. Plus l'angoisse qui est diffusée à propos du changement climatique. Moi, je connais des jeunes gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants parce que ça serait mauvais pour la planète, entre guillemets. Donc, on est dans une ambiance qui n'est pas favorable, effectivement, à la famille. Et regardez même sur le plan cinématographique ou culturel, je me souviens d'un vieux film de Sautet qui s'appelait Une histoire simple. C'était un plaidoyer pour l'avortement. Et dans ce film, les gens tout à fait libérés, entre guillemets, étaient présentés de façon très sympathique. Et il y avait une seule... famille avec mère, père et d'assez nombreux enfants qui étaient présentés de façon ridicule. Et donc, vous voyez, on crée une ambiance qui n'est effectivement pas favorable à la famille et au fait de
de fonder une famille. Oui, et d'ailleurs, Patrick Buisson, nous l'avions reçu pour son dernier livre, montrait très bien en introduction que l'existentialisme, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir ont complètement diabolisé même la maternité. Et ça a participé d'ailleurs derrière d'une forme de libéralisme, ultralibéralisme ou néolibéralisme libertarien où justement la femme doit travailler, ne pas faire d'enfants, pourquoi pas pouvoir congeler ses ovocytes, etc. En fait, on voit une forme de mentalité qui montre aujourd'hui que, comme vous le dites, la maternité peut être une mentalité qui montre que la maternité peut être une forme d'erreur. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui monte en puissance, sans parler du phénomène aujourd'hui de transition de genre, etc., qui sont beaucoup encouragés chez les plus jeunes. Et tout ça, vous l'avez dit, ça peut même parfois être soutenu par certaines instances. On voit que la question de transition de genre est très soutenue, même chez les idéologues dans l'éducation nationale. Donc, ça pose vraiment une question de fond sur y a-t-il une volonté finalement, en effet, de faire diminuer la natalité ? Je vous repose cette question, Raymond Debord. Est-ce qu'il y a une volonté ? Non, dans certains cercles, bien évidemment. Bon, d'ailleurs, ils militent plus ou moins pour ça, comme vous l'avez évoqué. Après. Est-ce qu'il y a une instance quelque part qui te réunit pour programmer ce genre de choses ou avoir ce type de projet explicite ? Moi, je ne pense pas. Je pense que simplement il y a une difficulté ou une incapacité des cercles de pouvoir, je dirais, parce que j'allais dire nos dirigeants, mais en fait j'inclus la sphère économique, à se projeter en réalité, c'est-à-dire justement oui. à dépasser l'économique, à dépasser la volonté simplement de poursuivre un développement à court terme. Donc moi je le mettrais plutôt en termes de capacité à anticiper l'avenir, et ça je ne le vois effectivement très peu dans le champ politique aujourd'hui, ou en tout cas ça s'exprime de manière marginale ou non suivie d'effet, comme on le disait tout à l'heure. Oui. Je pense plutôt que c'est à ça qu'on a affaire. Dans ce sens-là, on peut dire que c'est un sous-produit du libéralisme dont vous parliez à l'instant. Je dirais que c'en est un effet, et c'est aussi un problème de capacité à mettre l'économique à distance, ou plus exactement à le prendre en compte sur le long terme. Oui. Oui, parce qu'en plus, c'est qui n'est pas, ben voilà. qui n'est pas sa tendance spontanée. Mais oui, ce qui est d'ailleurs intéressant, et c'est ce qu'on commençait à aborder tout à l'heure, c'est-à-dire que on a l'impression qu'on oublie en plus l'avantage entre guillemets économique de la famille, le fait que finalement les enfants vont pouvoir travailler pour les retraites des parents, et ça justement on en parlait tout à l'heure, ça a été très très peu évoqué pendant la réforme des retraites. Comment on peut complètement oublier un segment total de même de notre système économique? C'est une question, Raymond Debord. Oui, tout à fait. Mais ça revient à des questions d'anticipation politique. Or, on voit bien, si vous voulez, que ces idées d'anticipation politique, elles ont été mises de côté depuis maintenant, je dirais une bonne quarantaine d'années, si ce n'est un peu plus. Quand on parle de la famille. Stéphane en parlait tout à l'heure, on parle des acquis de ce qu'a mis en place le général de Gaulle, par exemple, la libération, etc. Mais c'était dans le cadre d'un plan, même si c'était un plan indicatif, le plan français, contrairement à d'autres exemples, il était en capacité de fixer des objectifs extrêmement ambitieux pour le pays. Alors, je parle par exemple du troisième plan, qui a organisé en quelque sorte l'entrée des femmes sur le marché du travail. Oui. Alors ça, c'est un autre sujet, mais ce troisième plan, il donnait des objectifs de croissance selon les secteurs économiques de 25 à 40% dans les 5 ans à venir. Hein. Alors, vous voyez qu'on est dans des débats absolument misérables et qu'aujourd'hui, un homme politique qui aurait ce genre d'approche-là serait inaudible, en tout cas du milieu. Alors après, est-ce qu'il serait inaudible des électeurs ? C'est une autre histoire. Oui, évidemment. Oui, il y a quand même une attente des électeurs. Stéphane Buffetot, concernant en effet cette question, ce segment économique de la famille, comment vous expliquez qu'il ne soit pas plus mis en avant, alors que ça fait partie justement des urgences également, notamment sur la question des retraites, mais pas que, de notre gouvernement et des gouvernements successifs ?
Alors, en vérité, pour moi, c'était une interrogation. J'en ai souvent parlé avec Gérard François Dumont, qui effectivement a fait beaucoup d'études qui montrent que la famille a un phénomène d'entraînement économique absolument évident. Parce qu'une famille, ça veut dire un foyer, ça veut dire un besoin de maison ou d'appartement, d'équipement ménager. Enfin, on connaît tout ça. Non, je crois que l'idéologie individualiste qui est dominante aujourd'hui est à la base, finalement, de cette espèce de rejet de la famille. Je me souviens très bien que dans un premier rapport que j'avais fait sur la démographie, pendant les débats, j'avais un de mes collègues suédois qui s'appelait Olsson, pour être précis, qui avait dit « mais qu'est-ce que cette histoire de politique de la famille ? Il y a des politiques pour les hommes, pour les femmes et pour les enfants. » Et donc, l'idée même de communauté que représente la famille est devenue un peu quelque chose d'étrange pour un certain nombre des cercles de gouvernement. Je reprends le terme de Raymond Devoir parce que c'est vrai. Par exemple, aujourd'hui, je viens de rédiger un rapport sur qui sera présenté au Parlement européen, d'ailleurs, au mois de décembre, sur la pénétration du wokisme dans les institutions européennes. Mmh. Or, un des éléments du wokisme, c'est effectivement, un élément fort d'ailleurs, c'est la théorie du genre qui est devenue un peu la doxa, ou du moins la grille de lecture pour la Commission européenne notamment, mais pas que, le Parlement et le Conseil en grande partie, la grille de lecture de la société européenne aujourd'hui. Et évidemment, c'est quelque chose qui est tout à fait défavorable à une prise en compte de la famille. Et en plus, alors, effectivement, on disait autrefois « gouverner, c'est prévoir ». Il faut bien connaître qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup des politiciens, je ne dis même pas hommes politiques, partout à travers l'Europe, ont pour horizon le prochain terme électoral. Et donc, ce qui ne facilite pas la conception d'une politique familiale qui, par définition, sur le long terme, quand on crée une famille, c'est pour la vie. Et la vie humaine, on sait qu'elle s'allonge. Donc, c'est encore plus le long terme, si je veux dire. Oui, mais vous avez dit quelque chose de très important, de cercle de gouvernement, et du fait que finalement, aujourd'hui, on ne prenait en considération que la politique de l'homme, de la femme et de l'enfant, mais de façon séparée, comme des individus, justement, et non pas comme une cellule familiale ou comme, comme un premier cercle, un premier noyau au sein de notre société. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui est visé ? Est-ce que ce n'est pas une forme de noyau ? Et comme on le sait, tout noyau est une forme de cercle politique qui peut être une résistance vis-à-vis de la politique du gouvernement. Stéphane Buffetaud, puis Raymond Debord. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Très, très bien. Mais pour moi, il est évident que la famille est le dernier rempart de la liberté. C'est d'ailleurs pour ça que tous les régimes totalitaires se sont attaqués à la famille. Alors, oui. On essayait de faire de l'enfant, non pas… on voyait très jeune dans les camps. Oui. L'objet des soins de la famille, mais de le faire confisquer par l'État. Mmh. Et vous savez, le marxisme-léninisme et le national-socialisme ont été les deux faces d'une même médaille, qui est le totalitarisme, et on retrouve… dans les deux systèmes, la même chose, c'est-à-dire l'appropriation de l'enfant, des enfants, par l'État. Mmh. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, on a pas mal d'associations, on a reçu ici les Mamans Louves et d'autres, qui alertent sur un glissement aujourd'hui de l'éducation nationale qui prend petit à petit le relais de l'autorité parentale. Donc il y a aussi une question, on n'est pas du tout au niveau du totalitarisme qu'on dénonce, mais tout de même, une forme de glissement de l'autorité que ne peut plus avoir les parents sur leurs enfants, et peut-être que c'est du même ressort que cette destruction du noyau familial. Raymond Debord. Oui, j'avais envie de dire des choses, mais ce sera pour une autre émission sur le marxisme. Non, mais allez-y, pourquoi non, mais on a le temps. Je plaisante, ça me choque pas plus que ça. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une tendance parallèle, je pense que ça, c'est lié à la mise en place de l'ordre productif néolibéral, il y a une tendance parallèle au désengagement de l'État,
de ses missions régaliennes, de ses missions de service public, une forme de, j'allais dire, de privatisation de ça. Alors, ça se voit, par exemple, sur la sécurité sociale, très, très bien. C'est ce que des syndicalistes Force ouvrière appelée l'étatisation-privatisation, parce qu'en réalité, ce n'est pas antagonique, c'est la même chose, et de mise sous contrôle. Donc, du coup, on délègue, on ne prend plus en charge les choses soi-même, et on les délègue, et par contre, on met sous surveillance. Sur les familles, c'est tout à fait flagrant, mais il y a un ouvrage classique comme de 1977 de Jacques Donzelot, La police des familles, qui déjà à l'époque montrait ça très bien, alors que ça en était qu'au début. Alors après, on a un obstacle objectif, et le libéralisme, et je dirais même le capitalisme en général, a une dynamique intrinsèque de marchandisation du monde. Donc, dans ce sens, toutes les structures qui peuvent exister, dont la structure familiale, font obstacle, et le mouvement tend à les marchandiser. Après, sur ce glissement de l'autorité parentale également. Absolument. Non, mais il y a une volonté. Les fonctions traditionnelles de la famille ont été reniées les unes après les autres. La famille en tant qu'unité économique, ça fait belle lurette. En tant qu'unité de consommation, on va dire que depuis les années 60, l'entrée des femmes sur le marché du travail, etc., ça a été renié aussi. Et on voit aujourd'hui que les fonctions qui restaient à la famille, c'est-à-dire les fonctions éducatives, sont de plus en plus mises sous tutelle par le gouvernement. On l'a vu par exemple avec la loi sur, alors paradoxalement, le prétendu séparatisme, qui en fait avait parmi ses conséquences le fait de donner le préalable à la maison, alors que cette instruction à la maison, elle figure dans les lois de Jules Ferry. Voilà, c'est pas. Donc, ce qui fait obstacle, c'est qu'en France, la famille est considérée comme un objet politique à part entière. Donc, je fais écho à ce que disait Stéphane Buffetot tout à l'heure. Et ça, c'est quasiment unique en Europe, si ce n'est dans le monde. Alors, ce qui fait que nos politiques familiales sont tellement imbriquées dans le reste des politiques sociales, y compris fiscales, que aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué et onéreux pour les gouvernements, quels qu'ils soient, d'aller au bout de cette logique d'individualisation des droits. Voilà, parce que finalement, ça, imaginez si on supprime le RSA couple, ça va coûter beaucoup plus cher que d'avoir une familialisation de cette prestation. Voilà. Donc il y a aussi des formes de résistance objective à l'existence de ces politiques familiales. Oui. Alors en tout cas, bon, on a à peu près dressé le constat. Je pense le mouvement profond qui peut sous-tendre justement ce manque de prise en considération de la famille, et puis les éléments concrets, pratiques, qui sont évidemment essentiels aussi pour accompagner une famille, mais qui ne font qu'accompagner la volonté d'une politique familiale. Maintenant, deuxième volet de cette discussion, Stéphane Buffetot et Raymond Debord, aujourd'hui, que faut-il faire pour réveiller justement, pour régler, si on peut le faire, pour résorber cette crise de la natalité? Stéphane Buffetot, pour commencer. Alors d'abord, il faudrait, je pense, revenir en France sur les mesures qu'a pris le gouvernement Hollande, et notamment redonner à la politique familiale son caractère universel. Mais il y a tout un travail qui est un travail de fond, qui est un travail idéologique. Oui. Je parlais tout à l'heure de la théorie du genre, mais aujourd'hui, la théorie du genre, il y a une sorte d'intrusion dans la vie des familles. On vous explique que nous sommes victimes de stéréotypes, n'est-ce pas ? Et donc, on rentre vraiment dans l'intime de la famille. On nous dit il faut arrêter d'offrir à vos petits garçons des camions de pompiers et des poupées à vos petites filles. Voilà. La Commission européenne a mis en place des programmes pour combattre ces stéréotypes. Alors, on voit un jeune homme tout à fait charmant en train de faire du tricot dans le train de banlieue, c'est pour expliquer que voilà, il faut casser les stéréotypes. Mais ça, et que par exemple, pour il y a des kits entre guillemets pour les écoles primaires, pour expliquer aux petits enfants que c'est un scandale qu'il n'y ait pas plus de camionneuses. Voilà, il y a une petite fixette sur le fait qu'il y a plus de camionneurs que de camionneuses. Bon, alors, toute cette ambiance-là est un peu inquiétante,
avec aussi l'idée qu'il faut une sorte de contrôle sur le partage des tâches ménagères à l'intérieur du couple. Oui. Donc, on a cette intrusion incroyable. Dans ce qui est censé être le privé. Et donc, il y a tout un travail de combat idéologique. Mmh. Il y a les aspects très pratiques de politique familiale à restaurer, hein, de capacité d'accueil des enfants, des crèches, les haltes garderies, etc., à renforcer. Donc là, on sait qu'il y a des problèmes financiers, notamment pour les communes. Hein. Moi, je suis élu local. Mais il y a cet ensemble, cet environnement culturel où là, on est vraiment dans un combat. On est dans un combat de civilisation qui est quelque chose… Donc vous reprenez mon terme, vous, combat de civilisation, Stéphane Vifto. C'est un combat de civilisation. Comprenez, on nous explique finalement que l'être humain est indifférencié, homme-femme, qu'on peut changer de sexe comme on change de chemise, que tout ça est de la construction sociale et que d'ailleurs ça fait obstacle au doux marché, au fonctionnement du doux marché capitaliste et mondialiste. C'est vraiment un combat de civilisation. Il y a des aspects très pratiques, concrets. Voilà, comment on finance les crèches, oui. Comment on finance la garderie, etc. Sur le plan fiscal, comment on encourage ou on décourage les familles, sur le plan des aides, des congés parentaux. Tout ça, c'est de la technique. Et puis, il y a un combat de civilisation. Oui, et moi, je suis assez d'accord avec vous sur le côté pratico-pratique et le problème de fond. Et vous l'avez évoqué, et on l'a déjà dit tout à l'heure, il y a quand même une forme on appelle ça comme on veut, d'élite mondialisée, européenne à Bruxelles, et puis vous avez cité tout à l'heure l'ONU et d'autres, qui poussent vers cette distorsion de la famille et la destruction de la cellule familiale, et l'intrusion dans le privé, ce qui pose beaucoup de problèmes. Mais Raymond, d'abord, je sais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce principe de rupture civilisationnelle, malgré tout, sur la question de comment faire aujourd'hui pour réagir, quels sont les premiers choses à mettre en œuvre. Je suis d'accord avec Stéphane Bufteau. Alors, je pense qu'il est rentré dans des considérations qui mériteraient un débat à part entière, oui. Sur toutes les histoires de théorie du genre, etc. etc. Par contre, je suis d'accord sur le fait qu'il y a une dimension idéologique très forte qui se pose, et que effectivement le reste après c'est de la mise en œuvre. Moi je dirais que ça pose un problème de représentation politique, parce que si nous nous inquiétons à juste titre sur cette antenne de la faiblesse de certaines mesures qui pourraient être prises et qui ne le sont pas, etc., et puis de discours politiques qui seraient indifférents si ce n'est hostile à la structure familiale, mais quand vous allez, ce qui est fait par des instituts, il y a de nombreuses études, quand vous allez interroger les Français sur ce qu'ils pensent du sujet, en réalité, les Français sont massivement favorables à l'institution familiale, oui. Voire même peuvent avoir des opinions qui peuvent même être étonnantes. Par exemple, j'avais cité dans mon livre, il y a une enquête d'opinion qui montre que 69% des gens pensent que la famille est le seul endroit où on se sent bien. Donc voilà, donc ça donne quand même le niveau d'adhésion. Oui. Or, il y a donc un écart entre ce que pense la population, oui. Massivement, et puis, ou si je prends un autre exemple, par exemple, si vous allez enquêter auprès des familles monoparentales, même dans des milieux très populaires de banlieue, etc., en fait, vous allez vous apercevoir que ces personnes-là, en fait, souffrent parce que c'est elles qui ont les représentations les plus classiques et traditionnelles de ce que devrait être une famille. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, vous avez cet écart-là entre ce qu'était la sphère politico-médiatique et puis ce que sont les aspirations majoritaires dans la population. Mmh. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est que quelqu'un s'attache, ce qui n'est pas mon rôle, je ne suis qu'un observateur, à transformer, d'abord à tenir un discours d'espoir qui ne soit pas effectivement un discours malthusien et désespérant, d'autant plus par exemple sauver la planète, c'est complètement idiot comme terme, excusez-moi, parce que c'est pas la planète qu'il s'agit de sauver, porter un message d'optimisme, d'espoir et transcrire ces aspirations majoritaires
sous une forme politique qui puisse générer l'adhésion. Une forme politique qui, comme vous l'avez rappelé Raymond Debord, est souvent aujourd'hui déconnectée finalement des aspirations même des familles et des Français en général et d'ailleurs de la société. On l'a vu, hein, cette famille donc, qui constitue un premier cercle de résistance, de politique, de réflexion, d'intimité, de privé, qui est peut-être aussi ce qui dérange aussi certains. En tout cas, on a un petit peu avancé sur ce suicide démographique avec quelques idées, celle peut-être de mieux voter aussi, je ne sais pas. Merci beaucoup à vous deux, Raymond Debord, docteur en sciences humaines et humanité. Oui, Stéphane Bufteau, je vous en prie. Pour aller dans le sens de Raymond Debord, moi je suis élu local, quand les gens que je reçois, le principal souci, ça tourne autour de la famille. Leur vie réelle, concrète, c'est la famille. C'est l'école des enfants, c'est le travail pour le père s'il est au chômage. C'est donc le souci familial et le souci principal. La fameuse parole de Gilles, la famille je vous ai, c'est pour les intellos. Pour les gens réels, le lieu normal de l'existence, des soucis et des joies, c'est la famille. Eh bien, merci Stéphane Bufteau, Raymond Debord, de rappeler l'essentiel. Je rappelle Stéphane Bufteau, vous que vous êtes ancien dirigeant du MPF, député, ancien député européen, membre du Comité économique et social européen et auteur de ce livre « Oui, la France a un avenir ». Voilà, une parole positive aux éditions du Rocher. Merci à vous deux. Et en effet, commençons aussi par restructurer le local, c'est absolument essentiel. J'ai eu énormément de questions sur la baisse de la natalité liée à la vaccination. Ce n'est absolument pas la spécialité de mes deux invités du jour. On pourra poser la question, mais il y a des personnes qui ont travaillé sur le sujet et qui ont éventuellement des chiffres. Donc, ne vous inquiétez pas, on pourra revenir sur ce sujet. Il n'y a pas de tabou ici, mais seulement on invite les personnes qui connaissent d'autres sujets. Donc, il était plutôt question de politique familiale. Merci en tout cas à vous deux. On continue cette émission, cette grande émission dans quelques instants. Xavier Hofer, pour revenir justement sur Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture. On va apprendre aussi ce que c'est que cette troisième culture. Comment une omerta pareille a pu être protégée, préservée. Ce sera toutes les questions qu'on abordera avec Xavier Hofer et son livre aux éditions du Cerf. Mais tout de suite, le coup de marteau de Jean-Louis Tremblay. Le coup de marteau. Alors, juste avant de recevoir Xavier Hofer, qui est déjà en place, nous avons la chronique de Jean-Louis Tremblay, grand reporter au Figaro Magazine. Chaque semaine, vous liez l'actualité avec un livre ou une œuvre cinématographique. Aujourd'hui, vous nous proposez de comprendre l'attentat d'Arras. Bon, il y en a eu encore un nouveau aujourd'hui hein, en Belgique, à travers le film La journée de la jupe, avec le fameux film avec Isabelle Adjani. Oui, exactement. Parce que Attendez, on va récupérer votre micro, je crois que votre micro est coupé, allez-y. Oui, malheureusement, ce film qui date de 2008, qui a donc été réalisé bien avant les affaires Samuel Paty et les dernières, celles qu'on connaît, a une douloureuse résonance, dans la mesure où c'est un huis clos, ça se passe dans un collège dit sensible qui s'appelle Maxime Gorky, ce qui laisse deviner une mairie évidemment communiste, il aurait pu s'appeler Gagarine ou Salvador Allende d'ailleurs, et Isabelle Adjani incarne une prof de français qui vient tous les jours la boule au ventre, hein, qui se gave d'anxiolytiques, qui est semi-dépressive, et elle, en l'occurrence, ce jour-là, elle veut leur faire jouer une pièce de Molière, Le bourgeois gentilhomme. Donc, ils vont toute la classe se rend dans un amphithéâtre spécialement conçu à cet effet, insonorisé, etc. Et puis, comme d'habitude, c'est chahut, insultes, colibets, lazzi, etc. Elle ne supporte plus, elle n'en peut plus, cette pauvre femme. D'ailleurs, ça m'a fait penser, l'autre jour, j'écoutais la sœur de Samuel Paty, qui est également professeure, qui était interviewée sur France Info, qui disait que, il y a 3 ans, lorsque son frère était assassiné, c'était la sidération. Mais aujourd'hui, ce qui domine, c'est la rage, la colère. Donc, cette pauvre Isabelle Adjani essaye de faire son cours, mais de faire régner un semblant d'or. Donc, elle demande aux garçons de se découvrir, de poser les sacs, etc. Et puis, il y a un chahut. Et l'un des élèves, un dénommé Mousse, d'origine subsaharienne, fait tomber son sac. Et en faisant tomber le sac, laisse échapper du sac un pistolet automatique. Là, elle essaie de s'en emparer. Bon, il y a un chahut. Accidentellement, elle le blesse à la jambe. Et puis, à partir de là, tout bascule. Alors là, c'est vraiment... elle pète un câble, littéralement. Et
tout revient à la surface, tout ce qu'elle a enduré pendant des années, c'est-à-dire les menaces, les tags sur sa voiture, les pneus crevés, le fait qu'elle vienne en jupe, parce qu'elle s'obstine à venir en jupe, oui, c'est la seule prof du collège, parce que le principal, qui est un couard de première, lui a dit « Non, ça c'est de la provocation, mais elle vient quand même en jupe. Mm. » Bon, voilà, c'est un lycée public, elle vient en jupe. Jupe longue, hein, on n'est pas dans la mini-jupe des années, des oui, années 60. Hein. Donc très, 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 très correct, absolument pas de nature à provoquer. Donc, à partir de là, elle prend sa classe en otage, voilà, brandit son arme, et elle leur fait faire tout ce qu'elle aurait rêvé de faire, finalement, dans une société normale. Mmh. Elle leur apprend les règles de la bienséance, de la courtoisie, elle leur demande de dire « s'il vous plaît, merci », de se découvrir, enfin, de prendre place en silence, de répondre correctement, bref, tout ce qui devrait être normal, mais parce qu'elle a une arme. Mmh. Voilà. Oui. Et je vous propose d'ailleurs un extrait. Oui, on va l'écouter. Passage du film. Farid, Farid. J'appelle Farid, qui va enlever très vite son bonnet pour une fois. Je ne peux pas le retirer, madame. C'est religieux. Religieux ? Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? On est dans une école laïque ici. Ah bah, quand il n'y aura plus de vacances de Noël, là, je retirerai mon bonnet. Pourquoi tu n'aimes pas les vacances ? Non, c'est pas ça. Noël, c'est chrétien, c'est pas laïque. Hein ? Ah ! Quand j'aurai plus de flingue, tu recommenceras à faire le malin. Pour l'instant, je veux plus que personne ne me fasse chier avec ces trucs-là. Voilà. On sent le craquage. Là, ces femmes, c'est plus femmes au bord de la crise de nerfs. Mm. C'est femmes en pleine crise de nerfs. Et crise de nerfs justifiée. Alors, ce qui est intéressant dans le film, c'est... parce qu'on a, tous les ingrédients de ce qui se passe dans la société. D'abord, la hiérarchie. Donc, le principal, lui, se déballonne complètement. Oui. Hein. Le pas de vague, le fameux pas de vague. C'est ton pilote, s'en lave les mains. Oui. Et pas de vague, parce que sinon, le collège sera mal noté, lui sera mal noté dans sa carrière. Les collègues d'Isabelle Adjani, qui, évidemment, quand il y a enquête, parce qu'on appelle la police, c'est le raid qui est convoqué, il y a un négociateur qui intervient, etc., qui discute avec la preneuse d'otages, donc Isabelle Adjani. Et là... il y a un interrogatoire de ses collègues et disent tous, oui, enfin, elle était très limite, elle était limite raciste. Alors l'autre, le policier, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Bien oui, par exemple, elle venait en jupe. Mm. Hein, ou par exemple, elle disait que ici, c'était l'école de la République et qu'on n'était pas là pour citer la Torah, le Coran ou la Bible. Mm. Voilà, des choses comme ça. Et ça, c'était... Et c'est marrant parce que ces professeurs se mettent à parler en verlan. Comme leurs élèves, pour leur plaire. Ouais. En fait, c'est... Voilà, ils baissent à un moment, bas, l'une des collègues d'Adjani, la seule qui la défend, ouais. Voilà, dit, voilà, vous baissez votre culotte, c'est tout. Après, c'est tout. Il y a ça. Et il y a aussi le déni des familles qui est intéressant. Ce qu'on entend à chaque fois, je ne sais pas si vous avez noté sur RCI, BFM, ouais. Hein, à chaque fois, bon, on va faire un micro-trottoir dans la cité qui abritait l'assassin ou le terroriste. Et à chaque fois, c'est « Mais non, il était tellement gentil, il était tellement poli, il s'occupait tellement bien de ses frères et sœurs, etc. etc. » Donc, on a vraiment tous les ingrédients. Et alors, c'est marrant parce que ce film est un huis clos. Hein, c'est vraiment une tragédie de facture classique. C'est unité de lieu, d'action, de temps. Ça se passe en une demi-journée. Et ça se termine très, très mal. Mmh. Voilà. Un peu comme... On sent la tension monter aussi au niveau de la classe. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un film de 2009, mais qui finalement est assez précurseur. Hein, quand assez on, prophétique, quand on... oui. Ouais, assez prophétique. Merci beaucoup, Jean-Louis Tremblay, grand reporter au Figaro Magazine. D'ailleurs, on pourrait demander aussi ce qu'en pense le criminologue que nous allons recevoir tout de suite, Xavier Hofer. Mais évidemment, on a un grand sujet à aborder ensemble. On n'aura d'ailleurs pas assez de temps pour tout aborder. Jeffrey Epstein, L'âme damnée de la troisième culture, c'est son livre aux éditions du Cerf. Et on va en parler tout de suite dans un autre à la volée. Le point de départ, c'est quand même qu'on a un état défaillant. On est dans une explosion des phénomènes de drogue en France. En fait, l'éducation nationale aujourd'hui, c'est un Titanic qui coule. Et finalement, on n'a fait qu'empirer les choses. Les lits ont continué d'être fermés, les postes ont continué d'être fermés. En effet, les citoyens n'ont plus confiance dans leur justice. Et je pense à raison. Mais on soigne seulement les conséquences et pas les causes. On est dur avec les faibles et faible avec les durs. On paye pour que justice soit faite, pour qu'on soit en sécurité. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et pour les réseaux sociaux aussi, la liberté d'expression va-t-elle perdurer ? C'est aussi très dangereux d'aller commencer à s'attaquer à ce genre de problème là. Il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Thank you.
Je suis très heureuse donc d'accueillir aujourd'hui Xavier Hofer. Xavier Hofer pour son livre Jeffrey Epstein. Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes criminologue, directeur d'études au pôle sécurité défense du CNAM. Vous avez été professeur, vous êtes professeur associé à l'Institut de recherche sur le terrorisme à l'université Fudan de Shanghai et à l'université George Mason à Washington DC. Vous avez écrit de nombreux ouvrages dont À qui profite le djihad aux éditions du CERF, et voici celui-ci donc absolument fondamental, Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture aux éditions du CERF. Vous allez nous expliquer ce que c'est que la troisième culture, mais d'abord vous expliquez, vous revenez sur la figure Epstein depuis ses débuts, peu connu, issu d'une classe moyenne, devenu le grand trafiquant que nous c'est et prédateur sexuel, le prédateur préféré d'une élite mondialisée, et tout ça auréolé de mystère, jusqu'au mystère d'ailleurs, on va y revenir, de sa mort dans une prison pourtant ultra surveillée, qui a de quoi interroger. Alors, tout de suite, je vais évoquer le tweet que vous citez dans votre introduction d'Elon Musk, fondateur de Tesla, dont on a parlé tout à l'heure, et le propriétaire aujourd'hui de X, donc Twitter, qui lui n'a peur de rien, qui a dit « Ce que je ne verrai jamais dans ma vie, un dragon, un dinosaure, une licorne et la liste des clients d'Epstein Maxwell », c'est pour dire à quel point aujourd'hui encore, il y a un tel secret, une telle opacité, en tout cas, autour de cette figure qui pourtant a bien eu des crimes très importants, une liste de clients immense, et puis donc qui pourtant, enfin qui était assassiné aujourd'hui, mais qui pourrait faire parler lui aurait pu faire parler lui ces 20 dernières années. Alors beaucoup de mystères, et alors que beaucoup de médias, de témoins et de grands de ce monde ont finalement couvert, et c'est ça aussi votre introduction, Xavier Hofer, c'est pourquoi une telle omerta et comment a-t-elle pu être possible? Et vous, en reprenant toutes les informations que vous avez parlé de la sidération du criminologue. Je voudrais commencer par ça. Vous avez dit finalement, vous-même, vous êtes habitué à éplucher les dossiers. Cette fois-ci, vous avez été sidéré par tant de crimes d'abord et ensuite par tant de secrets cachés. Je vais naturellement répondre à tout ça. Mais d'abord et en introduction, je voudrais vous dire qu'un de vos propos tout à l'heure m'a totalement scandalisé. Oui. Vous avez dit, je fais venir ici des gens qui savent de quoi ils parlent. Ça se fait plus du tout maintenant. Ah oui. On est dans le bavardage de gens qui sont amenés sur les plateaux parce qu'ils bavardent de sujets qui servent à faire une télé bon marché, mais qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas le sujet dont ils parlent n'est naturellement pas en cause. Ils ne le connaissent pas. Alors, d'abord et en deux mots, la troisième culture, c'est-à-dire ce qui a financé, ce qui a soutenu, ce qui a payé, ce qui a encouragé M. Epstein, c'est ce que vous lisez tous les jours dans Libération, c'est ce que vous lisez tous les jours dans Le Monde, c'est ce que vous entendez tous les jours sur France Info, qui sont la triade la troisième culture en France, c'est-à-dire une espèce d'anarchisme bourgeois californien, de libertarianisme, où naturellement l'individu est seul, il s'impose en piétinant tout le monde, où le collectif n'existe plus, et où le désir de ces gens de prolonger leur misérable vie est tel qu'ils envisagent d'équiper leur cerveau d'électrodes et de moyens nouveaux, de manière à pouvoir quelques années ou quelques décennies en plus, tenter de devenir le plus riche du cimetière. Quoi. C'est à peu près ça leur destin. Ouais, et vous montrez à quel point d'ailleurs cette troisième culture, finalement, Jeffrey Epstein est une icône de cette troisième culture et elle en est presque le produit, la fabrication. À la fin, vous parlez du monde, du monstre finalement, du monstre qu'ils ont créé, le Frank Epstein. C'est beaucoup plus simple que ça. Il y a des espèces de laboratoires dans lesquels on élabore des produits de communication, des produits de manipulation, des produits d'ingénierie sociale, comme on dit gentiment, qui sont après ça appliqués aux États-Unis même et ensuite chez nous en Europe et partout où on reçoit cette propagande-là. Et c'est Jeffrey Epstein qui reçoit les individus en question, qui les finance, qui les paye et qui les encourage. Ce qui est totalement incompréhensible dans cette histoire-là, c'est que depuis 20 ans à peu près, les États-Unis, qu'est-ce que les États-Unis? C'est un navire sans quille, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un coup de vent qui s'engouffre dans une voile et tout le monde part dans tous les sens.
durablement et violemment. La vague la plus récente est celle du néo-puritanisme. Oui. Vous avez affaire à des gens qui sont entrés dans une hystérie telle que vous êtes assis dans le métro. Vous regardez les genoux par inadvertance de la dame qui est assise en face de vous. Et bien entendu, vous pouvez faire l'objet d'une plainte, être poursuivi, etc. On est dans une crise totalement délirante. Mmh. Ça n'est pas la première. Il y en a régulièrement aux États-Unis. La plus célèbre de toutes a été la crise de la prohibition dans les années 20, où, confronté à un problème d'alcoolisme des gens modestes qui travaillaient de manière atrocement dure et qui avaient le gin comme à peu près seule consolation, confronté à ça, nous avons été confrontés aux mêmes crises en Europe, patiemment, par l'éducation. On est arrivé à résorber ça au fil des décennies et aujourd'hui, les gens boivent 20 fois moins qu'il y a un siècle. Aux États-Unis, ils ont inventé la prohibition, interdiction de l'alcool. Ce que faisant, ils ont livré des pans entiers, durablement, de la société américaine à ceux qui étaient le plus aptes à importer et à vendre de l'alcool clandestinement aux États-Unis, c'est-à-dire la mafia italo-américaine. Oui. Voilà. Donc, quand quelque chose va mal aux États-Unis, ils réagissent par des solutions délirantes. On le sait, il y a du terrorisme, alors ils envahissent l'Irak, etc., n'importe quoi. Oui. Donc c'est la dernière crise. Mais ce qui fait qu'elle est plus forte et qu'elle nous atteint, votre conversation précédente avec les deux experts de la famille, etc., on y est encore. Les théories du genre, on est en plein là-dedans. Et tout ça a été alimenté et financé. Tout ce que je dis dans le livre est tiré de documents officiels de la justice américaine. Évidemment, extrêmement sourcé, vous le précisez en introduction. C'est pas conspiratiste ni rien, c'est des éléments de dizaines et de dizaines de magistrats à tous les niveaux, au niveau de l'État de Floride, au niveau fédéral, au niveau de la ville de New York. Tout est sourcé. Ce qu'on voit là-dedans, c'est le côté mais absolument incompréhensible. Comment un individu qui, pendant 20 ans, a maltraité, violé, kidnappé, menacé des jeunes femmes, des jeunes filles mineures. Une des femmes dans la tour de contrôle de l'île où il avait son espèce de l'archipel des îles Vierges américaines, où il avait sa petite île dans laquelle il faisait ses orgies, etc. Une des femmes dans la tour de contrôle déclare sur commission rogatoire, sous serment, qu'elle l'a vu sortir de son avion privé avec des gamines qui avaient 12 ans. Oui. Qui ne faisait naturellement pas partie de sa famille. Oui. Tout est incroyable. Et c'est ce que vous dites à un moment donné, mais vous dites, mais en fait, plusieurs fois, vous revenez sur ce questionnement. Vous qui êtes criminologue, vous qui connaissez parfaitement ce milieu de la criminalité, vous dites, mais je n'ai jamais vu ça finalement. Là, on a quelqu'un qui régulièrement prend des jets privés ou prend des avions avec des mineurs qui sont vraisemblablement pas de la même famille, qui n'ont souvent pas de papier du tout sur elles, qui doivent avoir un air apeuré, vous le dites dans le livre, et qui finalement passent les frontières de façon tout à fait visiblement sans aucun problème, sans que ça ne remonte à chaque fois aux autorités, ou alors vous vous dites, dès ce moment de l'alerte, les alertes sont étouffées. Mais tout est étouffé à tous les niveaux, c'est ça qui est absolument considérable, en fait, dans ce réseau tentaculaire, on va dire. Je prends un exemple. Vous voulez envoyer votre fille ou votre fils mineur à l'étranger pour un stage ou pour un camp de vacances. Oui. Il faut des papiers, il faut produire un document, il faut que ça soit marqué sur le passeport, etc. Là, pendant 20 ans, il y a des gamines qui circulent avec des adultes qui n'ont rien à voir naturellement avec leur famille ou biologique ou adoptive et rien. Il n'y a jamais eu un signalement. Oui. Alors, c'est incompréhensible, mais en même temps, quand Clinton, dont la conduite personnelle, on l'a vu, est parfois sujette à caution, est président des États-Unis d'Amérique, il est reçu 17 fois, Jeffrey Epstein est reçu 17 fois à la Maison Blanche. Et celui qui, à l'époque... Il y a de nombreuses photos, vous le dites aussi. Bien sûr, bien entendu. Clinton, il y a des photos avec le pape, il y a des photos avec le fils de la reine d'Angleterre, il y a des photos d'Epstein et puis de sa maquerelle en chef, là, Madame Maxwell, assis sur le trône royal, en train de rigoler, en audience avec le Saint-Père, etc. Tout ça est absolument invraisemblable de la part d'un individu qui, après 2009-2010, a été condamné pour détournement de mineurs, qui a fait de la prison et qui est inscrit sur un fichier de délinquant sexuel. Comment est-ce possible? Bill Gates, 17 fois le président des États-Unis, il fricote avec toute l'élite américaine. Les États-Unis, c'est un pays de la com, de la publicité.
Pour toutes les réceptions, il y a ce qui s'appelle the A-list, la liste A. La liste A, c'est tous les gens qu'il est absolument désirable d'inviter, le président, machin. Tous ceux qui sont en priorité invités pour toutes les réceptions. Epstein est le petit camarade de toute la A-list, dans des conditions qui, encore aujourd'hui, ne sont pas résolues. D'où vient son argent ? D'où vient son argent ? L'un des trois principaux fonds d'investissement mondiaux, qui s'appelle Apollo Investment, Private Equity. Apollo est dirigé par un monsieur qui s'appelle Léon Black, qui dit « Monsieur Epstein est mon conseiller ». Quand vous êtes conseiller d'un milliardaire et que vous lui donnez des conseils judicieux pour qu'il le devienne encore plus, vous gagnez des millions de dollars par an. Vous n'en gagnez pas peut-être plus que 10 millions et certainement pas plus. En quelques années, Léon Black, le patron d'Apollo Investment, paye à Jeffrey Epstein, sur ses comptes des îles Vierges américaines, 158 millions de dollars. Pourquoi ? Un autre milliardaire, je parle à une jeune femme, vous avez été dans des centres commerciaux, vous avez vu Victoria's Secret, bon, voilà, les vêtements. Le milliardaire qui possède ça a confié la gestion de sa fortune à M. Epstein. Ils finissent par se fâcher. Le milliardaire dit, bah oui, j'arrondis les chiffres, mais c'est à peu de choses près ça. Il est parti avec 50 millions de dollars, il ne porte même pas plainte. On vous vole 50 millions de dollars, vous dites, oh, bon, c'est dommage, et puis voilà. Enfin, tout est incompréhensible. Cette histoire ne tient pas debout. Oui, mais pourquoi c'est incompréhensible ? Parce que derrière, d'ailleurs, vous l'expliquez très bien, vous dites cette troisième culture, justement, puritaine, pleine de bons sentiments, de belles idéologies, c'est la face présentable d'une même société, d'une même élite. Qui est complètement pourri de l'intérieur. Totalement corrompu, et qui donc s'entraide les uns les autres. Et c'est comme ça qui étouffe finalement une affaire qui devrait être mondiale, celle de Epstein. Je voudrais quand même, parce que je pense qu'il y a énormément de questions évidemment à aborder. D'abord que vous, justement, vous dites pourquoi, comment est-il devenu riche. Je vous racontez un petit peu sa montée en puissance. D'ailleurs, qui commence dès le début avec des meurtres. Dès ses premières affaires et dès le début. Il y a des sales histoires autour de tout ce qu'il fait. Voilà, partout. Objectivement, c'est la justice qui le dit, c'est pas moi qui fantasme. Voilà, non, mais à chaque fois d'ailleurs, c'est très objectif votre texte, c'est toujours voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui a été dit, vous ne faites aucun commentaire. Là, c'est vraiment le travail du criminologue, aucun commentaire ajouté. Voilà, seulement on voit que depuis le début, il commence dans les petites affaires, c'est déjà une petite crouille, on va dire, qui fait des malversations. Bon, il devrait être en prison, d'ailleurs, son associé va en prison, mais pas lui. Et puis, je crois que c'est son ancien associé pas content qui finit par mourir. Bon, on ne saura jamais si c'est lui ou pas, mais il se trouve que dès le début, il y a des crimes autour de lui, en tout cas. Pour aller dans votre sens, 17 rendez-vous avec le président Clinton, celui qui, à la Maison-Blanche, est chargé de d'arranger les rendez-vous. Celui qui fait en sorte que M. Epstein soit dans le même bureau que le président des États-Unis. Et il part de la Maison-Blanche, il vit sa vie. 15 ans après, il est retrouvé suicidé, pendu. Et en même temps, il s'est tiré une balle, alors ça devient quand même très compliqué. Ouais. Et le premier rapport du shérif montre qu'il a été retrouvé pendu, qu'il avait une balle dans le cœur et que le fusil était à 12 mètres de lui. Ouais. Enfin, rien tient debout dans toutes ces affaires-là. Ouais. La mort de Jeffrey Epstein en prison. Alors, allons-y sur la mort, parce que vous avez vraiment fait un chapitre entier sur la mort, en reprenant tout et de façon, encore une fois, extrêmement factuelle. Ah ben, c'est mort, nous, c'est notre métier, quoi. Oui. Les scènes de crime, etc. Et là, vous dites, c'est une série, non, là, c'est même pas des fautes graves, c'est une série de manquements accumulés les uns contre les autres. Chacune des lignes dans les rapports de la justice américaine a posteriori, après la découverte du cadavre de Jeffrey Epstein, chacune de ces lignes devrait mériter, valoir à son auteur d'être dans le livre des records. On n'a jamais vu ça. Un an, 18 mois. Donc, il est en prison hautement surveillé. Ah bah oui. En cellule, alors en plus considéré comme étant... suicidaire, donc surveillé en plus. 18 mois avant... que Epstein entre dans cette prison qui se trouve à Manhattan, c'est-à-dire au centre de New York, il y a eu un audit. Toutes les caméras ont été surveillées. Impeccable, tout marche bien, etc. Epstein va rester une trentaine de jours entre le moment où il rentre en prison et le moment où il meurt, il se suicide ou autre chose. Il est resté un mois. À chaque fois qu'il y a eu une tentative de suicide, la première, puis la deuxième, parce qu'il y en a eu deux successives, à chaque fois, dites donc pas de bol, toutes les caméras étaient en panne.
quand j'étais petit, on disait, tu dis ça à un cheval de bois, tu reçois un coup de pied. Quoi. les suicidaires déclarés tels dans une prison, toutes les 30 minutes, à l'œilleton, on regarde pour voir ce qui se passe, etc. Deux gardiens. Oui, deux gardiens. On regarde dans le petit œil. Des caméras, je précise pour tout le monde, parce que vous avez très bien expliqué dans votre livre, des caméras qui font qu'on n'a aucun point noir, point d'angle noir dans la cellule. Et même puis, au-dessus des toilettes. Et au-dessus des toilettes, voilà. Toutes les... Et un co, c'est comment on appelle ça un co-détenu. Un co-détenu, voilà, dans la même cellule, justement pour vérifier s'il ne lui arriverait pas quelque chose aussi. Enfin, voilà, pour témoigner au cas où. Là, comme par hasard, pas de co-détenu. Il a été déplacé la veille. Voilà, déplacé la veille. Et les caméras ne fonctionnent pas. Et ce qui est inouï dans tous les pays du monde, partout, je veux dire, au Nicaragua, en Mongolie extérieure, quand quelqu'un est trouvé mort dans une cellule, la cellule immédiatement devient une scène de crime. On n'a même pas le droit, si on l'a vu par l'œilleton, de toucher à la porte. Il faut qu'un expert vienne vérifier si la porte était fermée à clé, entrouverte, quoi que ce soit, etc. À l'intérieur, tout doit être photographié et filmé. Rien de tout ça. Quand on le trouve mort, les deux gardiens qui devaient, toutes les 30 minutes, vérifier, ont passé 6 heures à jouer sur Internet, oui, ou à commander des maps. C'est ce qu'ils disent. En tout cas, il n'y a pas eu pendant 6 heures de surveillance. Et quand à la fin, à 6h30 du matin, ils disent, tiens, si on allait faire un tour, ils arrivent, ils piétinent tout le bazar à l'intérieur, ils le bougent, ce qui est interdit notoirement, mais partout. Et d'ailleurs, vous le précisez, ces gens-là sont c'est justement des gardiens d'élite, en fait, des gardiens de prison d'élite. C'est l'administration fédérale. Voilà, c'est du top niveau, là. Voilà. On pas sur. Alors, on n'est pas dans un trou de l'Arkansas où le shérif à moitié ivre donne des coups de pied dans les côtes des détenus. Hein. C'est pas du tout ça. On est là dans un système d'élite. Jamais, une fois dans toute l'histoire du MCC, du Manhattan Correctional Center, l'endroit où il est détenu, il y a eu un seul suicide, un mafieux, italo-américain, 15 ans avant. Mais ça n'arrive jamais. Et là, il piétine tout. On nous dit qu'il s'est pendu en coupant ses draps et puis en se pendant. Mais les médecins légistes, après ça, disent que vu la taille, le poids, ce n'est pas possible. Oui. Et dans sa cellule, pourquoi avait-il découpé des draps alors que des câbles, vous voyez, comme celui que je touche, de respiration, alors, des câbles d'ordinateur, il y en a au moins 4, ce qui est notoirement interdit dans la cellule de quelqu'un de suicidaire. Ça ne tient pas debout, au point que le tweet le plus populaire pendant des jours après la mort d'Epstein, c'était une phrase qui disait « Ni les décorations de sapin de Noël, ni Epstein ne se pendent eux-mêmes. » Voilà. Et ça fait rire des millions d'Américains, parce que c'était devenu des raisons. J'ajoute, pour en finir, que les gardiens de prison et leurs responsables qui avaient accompli des fautes terribles. C'est-à-dire qu'ils étaient censés protéger la vie d'un homme. La vie de cet homme était entre leurs mains. Il est trouvé mort. Qu'est-ce qui leur arrive? Vous savez que les sanctions fédérales aux États-Unis, elles sont féroces. Vous prenez 10 ans par la justice de l'État de New York, vous avez circonstances atténuantes, machin, truc, chose, vous sortez au bout de 3 ans. Dans une sanction fédérale, 10 ans de tôle, c'est 10 fois 365 jours, pas une demi-journée de remise de peine. Donc la justice fédérale est très sévère aux États-Unis, rarement appliquée, mais très sévère. Il y a sur tous les prisonniers qu'il y a aux États-Unis, il y a moins de 10% qui sont au titre fédéral et le reste, c'est les prisons des États ou des comtés. Là, qu'est-ce qui leur arrive? Rien. Ils ont commis des fautes lourdissimes et ils terminent avec 50 jours de travail d'intérêt général, recommencez plus surtout. Et quant au chef, à leur supérieur, dont le ministre de la Justice américaine avait dit « Celui-là, vous allez voir ce qui va lui arriver », il finit par être doté d'une fonction d'un grade supérieur dans une prison si sympa des États-Unis pour les prisonniers qui vont bientôt sortir que sur le modèle de Club Med, on l'appelle Club Fed. Voilà, c'est ça la sanction. Il est promu dans un truc que tous les gardiens rêvent d'avoir. Les choses sont claires, même si on ne peut pas les expliciter ici, dans le sens où on ne va pas faire de commentaires sur le commentaire pour justement pas tomber. On va rester sur votre rigueur de criminologue. Mais évidemment, les choses sont claires. Il y a eu arrangement, il y a eu manigance. Rien ne tient debout, en tout cas.
complot, ce que vous voulez, mais en tout cas, voilà, rien ne tient debout dans la version officielle, ça c'est certain. Je voudrais, parce qu'évidemment le temps tourne très vite et on a beaucoup beaucoup de choses à dire, qu'on aille aussi, juste à ce sujet, une minute, rappelez quand même, dès le début vous le dites, d'ailleurs ça m'a fait penser à l'affaire Benalla chez nous, que dès le début, le premier, je crois que le premier crime qui a eu lieu, où il a fallu visiter les locaux, les lieux, les bureaux, je crois, d'Epstein, eh bien, comme par hasard, la police racontera après que tout avait été nettoyé, il ne restait plus rien, les ordinateurs, tout. D'ailleurs, étrangement, il restait encore des fils détachés, des ordinateurs débranchés, comme ça, comme les si on... Les fils coupés, ils voilà. étaient partis avec les ordinateurs. Donc, bon, ça me fait penser à l'affaire Benalla, où il a fallu une journée ou deux pour pouvoir aller sur les lieux et ouvrir le coffre-fort, et comme par hasard, il n'y a plus rien dans le coffre-fort. Bon. Ça, par exemple. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, ça c'est pour le côté où les choses s'arrangent et en tout cas sont arrangées en haut lieu. Je voudrais qu'on aille. Donc, on a parlé évidemment. Il faudrait qu'on parle du carnet, de fameux carnet avec tous les contacts qui n'est toujours pas révélé. On a quelques noms, vous les donnez, vous en citez quelques-uns, mais on a toujours quand même un grand mystère sur ces carnets, sur ces noms de clients qui sont quand même des clients absolument fameux. Vous en avez cité quelques-uns, mais il y en a d'autres. Donc, si on peut aller un point là-dessus, puis ensuite sur la branche française aussi du réseau Epstein. Alors, c'est bien simple. On a récupéré jusqu'à présent à peu près 2000 noms. C'est tout le gratin du néo-monde, vous savez, la société des élites mondialisées, etc., il y a tout. Mick Jagger des Rolling Stones, des acteurs de cinéma, des vedettes, des savants, Stephen Hawking, hein, le pauvre mec qui fricotait aussi avec Epstein, des avocats célèbres, l'élite des universités américaines. Monsieur Epstein disposait d'un bureau privé dans l'université Harvard, avec accès 7 jours sur 7, 24 heures sur 27. Alors, je n'ai pas enseigné à Harvard, mais j'y ai participé à des stages et à des séminaires sur le terrorisme et tout. Je peux vous dire que ce n'est pas un endroit où on rentre les mains dans les poches, quoi, naturellement. C'est l'université généraliste la plus célèbre des États-Unis. Deuxième endroit encore plus surveillé, car c'est l'université scientifique la plus célèbre des États-Unis, scientifiques, MIT, Massachusetts Institute of Technology, qui se trouve d'ailleurs à côté de Harvard, tout ça, dans la grande banlieue de Boston. Hein. Donc là, il était le sponsor d'un laboratoire qui visait à rendre la société plus anarchiste, avec un nippo-américain qui s'appelait Joe Ito, et qui visait à... susciter des révoltes, vous savez, les écolos, etc., tout ça. Un peu à la manière de Soros et de sa fondation, dans ce cas-là, qui voilà, mais en plus agressif. Et voilà, et tout ça était financé directement par Epstein. Et quand ce n'était pas financé directement par Epstein, il allait trouver ses complices, M. Bill Gates, bien connu de tout le monde, hein, de Microsoft, et puis Leon Black de Apollo et d'autres milliardaires, pour dire, tiens, donne 2-3 millions de dollars, etc., qui faisait abonder, il donnait lui-même une somme considérable, par exemple 1 million de dollars, mais il faisait abonder de manière à ce que ça, après ça devienne 10. Voilà, et tout allait dans le même sens, c'est-à-dire le sens de l'anarchisme mondain déversé, comme je vous le disais, à pleine page par ça, c'est l'autre version de la troisième culture, celui que vous racontez. C'est-à-dire qu'il y a le versant un peu idéologique, qui se veut un peu cool, libertarien, on casse les codes, on casse les frontières, etc. Et puis, il y a le versant, la figure noire, le versant noir, et vous le dites au début d'ailleurs, hein, c'est un remake sadien post-moderne, avec évidemment des trafics d'enfants. On est dans la criminalité. Dans la version contemporaine des 120 journées de Sodome. Et au début, je cite le texte même la partie convenable à l'introduction du marquis de Sade, où il explique qu'à la fin du règne de Louis XIV, il y avait eu tel trafic d'argent qu'il y avait des individus qui s'étaient trouvés en possession de fortunes absolument immenses et mal acquises, et qui jouissaient de ça en organisant des plaisirs qui, après ça, ont été qualifiés de sadiens, c'est-à-dire orgies et autres et tout. Et là, dans les 120 journées de Sodome, pour ceux qui n'auraient pas lu cet ouvrage, il y a
milliardaires de l'époque, hein, qui sont la figure à peu près exacte de ce qu'on retrouve autour de M. Epstein, qui se réunissent dans un château de la Forêt Noire pour y faire périr dans des orgies de torture des gens modestes, comme les petites filles d'Epstein qui étaient tirées du quart-monde, des orphelines, des filles abandonnées, des paumées, droguées, etc. Et qui les attiraient, qui après ça leur faisaient subir peut-être plus les mêmes tortures physiques que du temps du Marquis de Sade, parce que C'était quand même des esclaves sexuels, vous le racontez très bien, vous racontez les mécanismes aussi. Exactement, et puis qui étaient mises sous conditions, qui étaient soumises à des tortures morales, si tu parles, etc. Confisquer leur passeport et tout pour être amenés sur les îles en orgie. Alors, naturellement, du temps du Marquis de Sade, c'est plus sanglant. On n'a que la première partie qui a été retrouvée des 120 journées. On est les 30 premiers jours de ce qui devait devenir les 120 journées, et il y a déjà à peu près une quarantaine de morts. Quoi. Ils partent dans des tortures... on ne sait pas d'ailleurs, il y a peut-être eu du sanglant aussi, certainement. C'est inconnu, mais en tout cas, il menace physiquement une des jeunes victimes qui est sur son île, là, des îles Vierges américaines. Les eaux, naturellement, autour de cette île, comme c'est dans les Caraïbes, grouillent de requins, il menace de la jeter aux requins, il y a menace de mort physique. Voilà, donc c'est quelque chose de très concret. Et tout ça avec un des fils de la reine d'Angleterre, Andrew, c'est pas le plus malin, mais quand même, il est censé être protégé par la reine d'Angleterre a acheté le silence en payant les avocats d'une des victimes, avec des milliardaires en veux-tu, en voilà, avec la crème et l'élite de la société américaine. Il est invité, je parle de Jeffrey Epstein, aux premières des films de Hollywood. Il copine. Elon Musk, dont on a parlé, il a du flair. Donc, il le voit une fois, il trouve le type totalement sulfuré et tout. Donc, à partir de ce moment-là, il se met à l'écart. Mais les autres l'ont fréquenté durablement. Enfin, vous vous rendez compte que tous ces individus volent dans l'avion de Jeffrey Epstein, l'avion qui a été baptisé par Epstein lui-même, Lolita Express. Enfin, tout le monde sait ce que c'est que Lolita. Évidemment. C'est pas vraiment de la pédophilie, mais on est quand même clairement dans les fruits verts ou dans les jeunes filles à peine pubères, etc. Et en tout cas, mineures, dont on ne peut pas présumer du consentement. C'est interdit, évidemment. Et encore, les sociétés, évidemment. Et encore plus chez les Américains. C'est ce que d'où la sidération du début aussi. Et d'ailleurs, c'est encore un autre point passionnant dans votre livre. C'est justement, on a ce mélange. Vous racontez que, Epstein est quelqu'un de complètement malade psychiatriquement. Bon, ça, on s'en doutait. Mais complètement hygiéniste, devant prendre je ne sais pas combien de douches par jour, dormant dans un froid extrême. Enfin, voilà, il y a vraiment des conditions. Je crois qu'il est végétarien. Il mange. Il y a beaucoup de malades mentaux qui sont végétariens, c'est quand même intéressant. Ce parallèle entre cet hygiénisme et la débauche de l'autre côté, c'est assez surprenant sur la personnalité du bonhomme. Mais bon, je ne sais pas si vous voulez en dire deux mots, puis après, je voudrais qu'on aille sur la branche française. C'est les deux faces de la même pièce. Nous vivons, les États-Unis sont un pays extraordinaire, enfin, je dis ça de manière un peu ironique, voilà des gens qui donnent des leçons de morale à la terre entière, et pas ceux-ci, et si vous faites cela, vous allez avoir des sanctions. Comment vous persécutez les homosexuels? Aux États-Unis, il y a encore au moins une douzaine d'États dans lesquels la sodomie est punie de prison, et auparavant était punie de mort. Alors, c'est faites ce que je vous dis et faites pas ce que je fais, ça continue à avoir des... Mais naturellement, l'autre face de ce puritanisme extrême, c'est l'orgie extrême. Ça va de soi, basculer de l'un dans l'autre sans à aucun moment s'arrêter à quelques termes, à tel comportement mesuré que ce soit. On passe du fait de punir des gens s'ils vous regardent un petit peu de travers au fait de sombrer. Vous savez, dans les années 70, j'allais souvent à New York, on était dans la phase orgiaque. Il y avait à New York dans les années 70 une boîte à partouze par pâté de maison. La plus célèbre de ces boîtes-là, on peut encore trouver sur Internet, s'appelait Plato's Retreat, la retraite, la maison de Platon. Et là-dedans, vous aviez des centaines de gens en train de copuler ensemble dans tous les sens sur des matelas. Et 10 ans après, vous regardez les genoux d'une dame, vous filez en prison. Oui, voilà, c'est des crises d'hystérie dans tous les sens. Et ce pays ne va pas bien conceptuellement, quoi, car les deux cohabitent.
Et ouais, encore une fois, c'est finalement la morale de votre histoire, c'est de se dire que Jeffrey Epstein n'est que le monstre de toute une mouvance idéologique. Voilà. Mais la France, la connexion avec notamment Jean-Luc Brunel, lui aussi mort de façon très étrange dans une prison très surveillée. Et puis parlons un tout petit peu aussi de Ghislaine Maxwell et de son père. J'ai appris ça en vous lisant, de son père qui avait déjà a priori des contacts avec Epstein. Bien sûr. Alors, la partie française, il faut, c'est un ogre sexuel, il lui faut plusieurs jeunes victimes par jour, et donc il faut approvisionner. Partout. Voilà. Et donc, parmi les proxénètes qui lui fournissent de la chair fraîche, il y a Madame Maxwell, bien sûr, Ghislaine Maxwell, et puis il y a Jean-Luc Brunel, qui est l'élément français. Alors, c'est un gestionnaire... qui sert un peu sur la bête d'une agence de mannequins, hein, voilà, la progression par le canapé, mais après ça, Epstein finance son agence de mannequins, et donc il envoie des jeunes filles en disant « Tiens, j'ai trois sœurs, elles ont 15, 16, 17 ans, ça t'intéresse, je les envoie. » Voilà, c'est un marchand de chair humaine. Ouais. Et lui aussi, il finit par être attrapé par la patrouille. Au moment de l'affaire MeToo, certains de ces anciennes mannequins commence à, alors hélas, naturellement, il y a prescription, mais commence à parler de lui et on finit par le trouver mort aussi dans une prison alors qu'il va être interrogé sur la matérialité des faits et sur, naturellement, l'abstrait Epstein de l'affaire. Il se trouve que 20 ans à l'Institut de criminologie, on forme naturellement énormément de magistrats et puis de gens de la pénitentiaire aussi. Là, c'est simplement le manque de personnel, quoi. Il était à la santé, il aurait dû y avoir une patrouille tous les X. Là, ce n'est pas des gens qui délibérément sont restés dans leur bureau à regarder Internet, mais il n'y a pas le personnel. Il se trouve qu'un des gardiens, un des surveillants à la santé dans la hiérarchie a été un de mes étudiants. Il m'a dit, voilà, ça arrive de temps en temps parce que nous n'avons pas les moyens et qu'en France, tout ce qui touche à la justice... et donc à la pénitentiaire qui dépend de la justice, est sous-dimensionnée. Mais donc c'était un sale bonhomme de Brunel en question, qui faisait miroiter à des jeunes femmes un peu naïves, des fois très jeunes, hein, parce que le métier de mannequin commence jeune, des carrières, etc. Et puis après ça abusait d'elles, et puis qui les prêtait à Epstein, ou les louait plus exactement. Alors il y a quand même aussi des connexions en France avec des gens de renom. Hein, c'est le journal Politico là, qu'il a cité le 14 octobre 2022. La fondation de Jeffrey Epstein a donné $57,897 à une association gérée par plusieurs anciens collaborateurs et très proches de Jack Lang. Ah ben, en 2018, Jack Lang, qui est également sur ses livres, sur ses carnets noirs. Il n'est jamais loin, celui-là, quand il y a des affaires un peu glauques comme celle-là. Donc, ça fait longtemps. Hein. C'est déjà, sous le président Mitterrand, vous aviez eu des affaires terribles dans lesquelles... mais il n'a jamais été condamné. Donc, on est obligé d'en rester à... Il n'a pas de chance, le pauvre, chaque fois qu'il y a quelque chose, il est dans le secteur, etc. Mais on ne peut pas accuser formellement. Mais il est effectif que des personnages en France connus, soyons gentils pour des frasques, étaient pas loin de cette affaire-là. Oui, parce que là, par exemple, sur l'affaire Politico, donc c'est de l'argent qui était donné, soi-disant, pour monter un film qui n'a évidemment jamais été monté, donc on voit bien le côté écran, avec des noms, en fait, dont certaines personnes disent « Moi, j'ai absolument jamais été au courant de ça », et qui disent « Non, mais c'était un truc de Jack Lang, on ne sait même pas ce que c'est », enfin, c'est des porte-noms. Donc voilà, on voit bien l'affaire, quand même, autour de Jack Lang, mais encore une fois, pas d'accusation, donc nous sommes obligés de respecter la présomption d'innocence. Une dernière chose, bah, évidemment, Ghislaine Maxwell, elle encore en prison, terrée dans le silence, vous le dites, qui protège finalement le secret d'Epstein. Ghislaine Maxwell est la fille de son père. Son père était un multimillionnaire, pas exactement milliardaire, ayant fait fortune aux États-Unis et devenu le propriétaire d'un des grands quotidien de Londres, hein, The Mirror, et vous savez, les news magazines qui vendent à des... Pardon, les tabloïds quotidiens qui vendent à des millions d'exemplaires. Et il avait tapé dans la caisse parce que ses affaires marchaient mal et il avait fait une espèce de pyramide de Ponzi à partir du fonds de la retraite de ses propres employés. Et toujours est-il qu'un jour, lui aussi, on l'a retrouvé noyé à côté de son
bateau. Le bateau qui porte le nom de sa fille. Voilà, qui s'appelait Lady Ghislaine. Et lui aussi, il y a eu plusieurs autopsies successives, dont l'une a été accomplie en Israël, où il allait être enterré en tant qu'ami du peuple juif et d'origine juive roumaine ou quelque chose comme ça, ou tchécoslovaque lui-même, et disait que un type qui tombe du pont de son bateau et qu'on retrouve dans l'eau comme ça, il n'a pas des fractures partout, etc. Bref, là aussi, une affaire totalement glauque et totalement incompréhensible. Oui. Ghislaine Maxwell a une sœur, la sœur a un époux, l'époux en question qui était un complice d'Epstein et qui l'aidait parce que c'était un savant un peu raté, quoi. Donc, mais il avait des connaissances dans le monde scientifique, il aidait... Epstein a recruté des individus qui avaient des noms glorieux dans le domaine de la science pour les subventionner et pour se protéger naturellement derrière eux, son mode de vie orgiaque derrière « je fais des recherches en physique nucléaire et autres, etc. » Et l'individu en question aussi, sur le sol français, a été retrouvé mort, à moitié dévoré par des bêtes, on n'a jamais trop su. Enfin, les histoires de gens qui finissent de manière un peu bizarre autour de M. Epstein abondent. Il y en a statistiquement plus qu'autour de votre vie, à vous, et de ma vie à moi, et de la vie d'à peu près tout le monde, il y a quand même beaucoup de Maccabées, quoi. En fait, pour conclure, parce qu'évidemment, on pourrait faire des heures et des heures sur l'affaire Epstein, on comprend qu'il y a finalement des gens qui se protègent les uns les autres et qui se tiennent finalement dans la corruption. Ils sont tenus eux-mêmes par leurs faits criminels, les uns par les autres. Et finalement, peut-être que certains... aujourd'hui préférait balancer Epstein, sauf que eux-mêmes, Epstein, enfin, et le réseau, donc Ghislaine Maxwell et d'autres derrière maintenant, peuvent les compromettre eux-mêmes avec leur propre participation aux orgies, par exemple. Et finalement, c'est ça, c'est un grand réseau qui s'entretient, qui se tient par la criminalité. Quand on se comporte de manière criminelle, on finit toujours par se comporter comme les criminels. Les criminologues dont je suis fréquentent les gentils, c'est-à-dire par exemple vous, et puis on fréquente aussi les méchants, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé de passer des soirées avec des bandits dans des circonstances très strictes. Hein. Moi, j'avais demandé au procureur général en disant « si j'approche des gens, cet homme qui m'honorait de son amitié, qui est fini comme procureur général près de la Cour de cassation, c'est-à-dire le plus haut magistrat du parquet en France, celui qui met en examen le président de la République pour haute trahison, vous voyez, on est ça la justice. Tu avais dit, monsieur le procureur général, qu'est-ce que je fais si je rencontre des voyous, etc., ou des terroristes, ou des gens comme ça. Il m'avait dit, mon cher ami, vous voyez qui vous voulez, vous n'acceptez rien. Donc, j'ai rencontré des centaines de gens. Si on prend le café ensemble, j'ai le droit de leur payer leur café, ils n'ont pas le droit de me le payer. J'ai jamais rien. Voilà. On est complètement à l'abri de toutes les manips. L'équivalent d'Epstein qui dit, vous êtes un universitaire, vous devez avoir des besoins pour vos recherches, voilà une subvention. Non, jamais, rien. Voilà. Oui. Donc, j'ai fréquenté des bandits, hein, dont certains proches de Messrine, et le soir, quand ils sont au bistrot, entre la plaisanterie qui les fait hurler de rire, c'est si je tombe, je balance tout le monde. Voilà. C'est plus qu'une plaisanterie, c'est une menace implicite. Si tu me dénonces, je te dénonce. Et c'est comme ça que marche le milieu autour de M. Epstein. À comportement criminel, réaction criminelle. Donc, ils se tiennent par la barbichette. Ouais, surtout qu'il y a quand même des noms qui pourraient renverser totalement l'échiquier politique, dont la présidence américaine. Oui, mais ce qu'il y a de grave dans les histoires de carnets qui n'ont pas été révélés, etc., ce n'est pas les carnets d'Epstein. Ce n'est pas lui qui faisait le boulot de relations publiques et qui amenait les gens en contact avec lui, il téléphonait pas aux gens lui-même. C'est les carnets de Ghislaine Maxwell. Ouais. C'est ceux-là qui sont importants. Plus de 2000 noms encore mondaine, conservés. En fait, hein. Voilà, exactement. Mmh. Conservés sous le secret. Les trois quarts de l'establishment britannique, vous vous rendez compte qu'un des complices les plus actifs de Ghislaine Maxwell et d'Epstein, qui s'appelle Peter Mandelson, a été ministre des Finances britanniques, le numéro 2 du gouvernement britannique. Et après ça, dans l'Union européenne, quand la Grande-Bretagne y était, ça a été le secrétaire, enfin le ministre du commerce et des affaires de commerciales de l'Union européenne. Et tout ça fricotait. Et les comptes de Jeffrey Epstein étaient pendant 15 ans dans la banque JP Morgan, qui est sinon la première, une des deux ou trois banques les plus importantes des États-Unis. Partout au monde, par crainte du blanchiment,
chaque fois que vous voulez retirer des espèces de votre banque, du cash, de l'argent, vous êtes obligé de vous justifier. Je vous donne un exemple. Dans 15 jours, je pars en Amérique latine. Il y a des pays dont la situation financière est tellement chaotique que la seule manière de c'est d'apporter des billets de banque et de les changer au jour le jour parce que les taux varient de manière invraisemblable. Pour 3000 euros, je suis obligé d'écrire une lettre à ma banque en disant oui. Cher monsieur. Oui, oui, c'est voilà, vrai. Voilà. Donc, tous les mois, pendant 15 ans, Jeffrey Epstein tirait des dizaines ou des centaines de milliers de dollars pour financer ses orgies, ses petites filles qui payaient, etc. Mmh. Et jamais il y a eu un signalement. La banque JP Morgan est une des principales banques du monde. Oui. Vous avez une carte de paiement de la JP Morgan, vous allez visiter Ispahan, vous rentrez, vous dites, monsieur, vous avez été en Iran, pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et là, pendant des années, à travers toute la planète, parce qu'il voyageait beaucoup avec ses clients privés, une impunité totale. C'est ça, la sidération, c'est ça. Comment, enfin, on s'en doute, mais naturellement, il n'y a pas encore d'explication probante et rationnelle, comment pendant deux décennies, un monstre pareil a-t-il pu passer au milieu des mailles du filet qui, dans le domaine sexuel aux États-Unis, sont quand même mailles extrêmement serrées. Quoi. Mmh. Je veux dire, vous regardez une dame, on ne parle même pas de gestes déplacés. Mmh. Un des piliers d'une des plus grandes chaînes de télévision américaine a été viré parce qu'à la fin d'une émission, il a vu la main sur l'épaule de sa consœur du style « bon, c'est terminé, salut ma chérie, à demain ». Bah, main sur l'épaule, il a été renvoyé. Un homme qui avait 40 ans de carrière, 20 ans de viol et de détournement de mineurs, rien. On a eu pignon sur rue. Hein, oui, bien sûr. Bah, Lolita Express, il s'en cachait même pas, quoi. Voilà. Ouais. Donc tout ça, évidemment, c'est de la protection par les plus puissants à tous les niveaux, politique, police et évidemment côté justice. Et puis le monde culturel qui l'accompagne. On voit la presse aussi. Vous posez beaucoup de questions sur la presse qui, pendant 20 ans, vous dites qu'il y a un média. Je crois que c'est le Miami. Voilà. Herald, c'est ça. Qui Miami Herald en français, une femme qui fait l'enquête. Courageuse. Qui disait, mais c'est pas normal, rien que pour un seul commissariat de police, dans la seule ville de Palm Beach où il avait sa villa en Floride, il avait des propriétés à droite et à gauche partout dans le monde, 50 jeunes filles comme ça, détournées, violées, etc. Ouais. Si ça se trouve, on est loin de tout savoir encore, et puis les enquêtes s'arrêtent à la mort du suspect, bien entendu. C'est ça aussi. Ça fait on arrive à la peut-être fin. Des milliers de victimes, des milliers de victimes. Rien pendant 20 ans. Voilà, un système qui se tient, qui tient le secret. Et c'est et encore une fois, vous commencez dans votre introduction sur votre sidération. Et je pense que sachant que vous avez énormément d'expérience, c'est absolument fondamental pour comprendre ce qui se passe avec le phénomène Epstein. Vous le dites aujourd'hui, les enquêtes s'arrêtent avec la mort d'Epstein. Plus rien, alors que les enquêtes pourraient continuer. Les enquêtes pourraient continuer. Pourquoi les enquêtes s'arrêtent Non, parce que les enquêtes le concernant directement, tous les systèmes juridiques du monde sont obligés d'arrêter une enquête à la mort. On a encore Ghislaine Maxwell qui est vivante. Ah ben oui, mais ça, ce n'est pas lui, c'est elle. La justice est individuelle. Oui, bien sûr. Mais voilà. Donc, pour elle, et puis, elle a pris 20 ans de prison, mais les 20 ans de prison sont hautement douteux. Laissez-moi vous expliquer en deux mots. Elle a la nationalité américaine et la nationalité britannique. Ses avocats peuvent demander à ce qu'elle purge sa peine là où elle a sa famille, c'est-à-dire en Grande-Bretagne. Comme c'est une peine fédérale qu'elle a eue aux États-Unis, 20 ans, c'est 20 ans, c'est 20 fois 365 jours. Il n'y a pas de rémission pour les peines fédérales aux États-Unis. Maintenant, si elle obtient d'être transférée en Grande-Bretagne, elle est soumise au droit britannique. Tant d'années égale aux bonnes conduites, donc libération. Sur les 20 ans, elle peut très bien être libérée d'ici 7 ans. Et comme on connaît aussi, c'est justement elle, son carnet d'adresse qui touche jusqu'à la famille royale. Oui, mais on te laisse sortir plus tôt, mais tu la boucles. Hein, c'est ça, voilà. Donc c'est la garantie. S'il y a des manœuvres qui. Alors, la manœuvre ne peut pas s'entamer le lendemain même du jour où elle est condamnée aux États-Unis. Il faut qu'elle puisse dire « les prisons américaines, ça ne me convient pas, je ne vois pas ma famille, je suis malheureuse, maintenant j'y suis depuis 3-4 ans, je demande d'être transférée en Grande-Bretagne ». Si elle est transférée en Grande-Bretagne, elle est sortie 6 ans après. Quoi. Ouais, c'est dingue. Ce qui n'est pas cher payé pour un travail, pour un réseau criminel. Corruption de mineurs et détournement de mineurs, pendant, dans son cas, 15 ans. Quoi. Voilà, enfin, on touche seulement… J'ajoute que… elle ne le faisait pas gratuitement, quoi.
elle avait aussi ses comptes à JP Morgan. En 15 ans, il y a quand même plus de 30 millions de dollars qui sont passés de chez Epstein à ses comptes à elle. Quoi. Ouais, c'est pas rien. Mais bon, il y a tellement de choses à dire. À un moment donné, vous décrivez une page de elle, je crois qu'il date de 2019. Donc, on est quand même au courant déjà de tout ce qui se passe. Et elle, la vente comme étant une mondaine chic, etc. Bon, son seul défaut, disent-ils à la fin tout de même de cet article, c'est de céder à l'amour et par passion pour Epstein. La pauvre, elle était amoureuse, pensez donc. Elle s'est laissée un peu aller. La corruption même de la pensée, je ne considère pas forcément que tous les journalistes de elle ont travaillé dans le réseau Epstein, mais quand même, en fait, c'est toute une omerta générale. Oui, c'est une omerta de la super classe qui pense que finalement, le seul drame, c'est qu'il soit fait prendre. Quoi. Ouais. Si tout ça avait pu rester sous le boisseau, ça aurait été tellement mieux. Alors, naturellement, tous ceux qu'il avait corrompus aux États-Unis, les larmes de crocodile, mais je ne savais pas, mais quelle horreur, mais vous vous rendez compte. Ah là là, qu'est-ce que je regrette, Bill Gates. Je regrette bien de l'avoir connu. Ouais. Ah, vous avez vu ça, de se défendre. Ouais. La morale de l'intention, vous savez. Mes intentions étaient pures, donc on ne peut rien me dire. Bill Clinton, quelles ont été les réactions de Bill Clinton comment. Oui, mais il est photographié, des photos sont parues dans le Daily Mail en Grande-Bretagne, qui a fait un travail médiatique absolument extraordinaire, des photos de Bill Clinton dans l'avion d'Epstein, avec en face de lui, comme je suis en face de vous, Epstein qui rigole, et une des petites de Epstein qui est en train de masser le cou, en tout bien tout honneur. Ils sont dans l'avion, il y a les photographes, donc il est encore habillé. Cette nana qui est, je sais pas, toute jeune, quoi, qui est en train de lui masser le cou. Compromission, quand même, on sait très bien. Et Hillary, la féministe, qui regarde de l'autre côté pendant tout le temps, quoi. No comment. Hein. Ouais. Voilà, Madame Clinton. Et puis, là aussi, aux États-Unis, où sont MeToo sur l'affaire Epstein. Bien sûr. Ils ont les grands mouvements féministes, tout ça. Là, c'est... Zéro pour la question pendant 20 ans. D'ailleurs, dont les actrices qui sont si promptes à se lever, etc. Là, elles ont pris énormément de temps à révéler ce qui se passait. Et c'est une fois qu'il est mort que tout le monde sait. Vous savez, quand les gens sont morts, ils font plus peur. Ouais. Je ne parle pas non plus de fantasmes et de choses révélées. Des journalistes qui avaient voulu faire des enquêtes sur Epstein et ses liens avec le système américain, ont trouvé des balles sur leur paillasson, etc. Il y avait des menaces de mort très concrètes. Tout à fait. Vous le dites aussi au début. Merci beaucoup, Xavier Hofer. De toute façon, c'est un livre à lire. Comme ça, vous aurez tous les éléments, parce qu'évidemment, c'est très, très, très riche, très fouillé. Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture. Donc, en tout cas, on comprend en effet que ce n'est qu'une créature monstrueuse qui est presque créée par cette élite politico-culturelle et tout ça, de l'avant-garde des beatniks et du libéralisme. Voilà, en tout cas, un portrait et une recherche très, très fouillée. Donc, je vous le recommande à tous et c'est aux éditions du CERF. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Xavier Hofer. Merci à vous tous de continuer à nous suivre, toujours plus nombreux. Dans quelques instants, on l'a décalé du coup parce que j'ai pris du retard. On aura la chronique de monsieur au bon tweet français et continuez de nous référencer, de mettre des petits pouces vers le haut, des cœurs et tout ce que vous voudrez. Et dans quelques instants, au bon tweet français. Mon ami la pote vient encore de dégainer le 49.3. Il y a un moment où on se demande s'il n'y a pas un devoir de révolte. En France, il y a trop de gens qui ne sont pas encore informés de ce qui se passe. Pour en pas cacher ça éternellement. Qu'il convient de réfléchir à ces mécanismes qui nous manipulent. La peur est un outil de manipulation, est un outil de contrôle. Il ne faut pas avoir peur. Coucou les normies. Non mais t'as vu ce faste à Versailles. Malais. Désolé, je viens de dépenser 6 millions d'euros. C'est à vous de vous serrer la ceinture maintenant pour trouver votre essence. Non. Moi personnellement, je roule avec une voiture électrique depuis 2 mois. On va se les peler cet hiver. Eh ben c'est un coup des Russes, pardi. Alors là, vous me surprenez. Qu'est-ce que vous jouez bien. Franchement, ils sont super malins, ces Ruskov. C'est presque... qui est la plus grosse voiture, déjà, dans un premier temps. Excusez-moi, j'ai un fan club derrière moi. Là. Donc c'est très drôle. Le coup de marteau.
Et aujourd'hui, vous l'attendez tous, c'est le coup de marteau de Au Bon Tweet. Bonjour Monsieur Au Bon Tweet. Bonjour Clémence, comment allez-vous ? Très bien. Alors, quel est votre sujet aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je voudrais tenter d'expliquer pourquoi on se fout continuellement de notre gueule via ce qu'on pourrait appeler les contradictions et les dissonances cognitives de la bande à Macron et en même temps essayer de donner quelques petits conseils aux gens pour éviter ça. Alors c'est un vaste sujet ça quand même. Oui, mais non seulement c'est quelque chose de permanent, mais en plus c'est pas vraiment de la faute des politiques. Ah bon, allons bon. En vrai, ils ont bien compris que la plupart des gens n'ont plus le moindre recul par rapport aux infos qu'on leur balance à longueur de journée. Pire, ils s'en foutent. Moi, je peux vous le dire, les dîners non complotistes auxquels j'assiste, c'est grosso modo 50% de qui couche avec qui, 25% de Gérard va-t-il culbuter Mélanie dans les foins, dans l'amour et dans le pré, saison 18, 15% de qui cette petite salope de Valérie va-t-elle trahir au prochain conseil de Koh-Lanta, saison 24, 8% de le couple Jordan-Jessica résistera-t-il à cette huitième rupture parce que Jordan a dit « y a quoi ?» alors que Jessica le regardait d'un air courroucé dans Les Marseillais à Dubaï, saison 19, épisode 7. Et 2% de Poutine, il est quand même super méchant, ils l'ont dit à la télé. Du coup, les politiques savent très bien qu'ils peuvent sortir n'importe quelle connerie. Oui, vous exagérez un peu là quand même. Pas du tout, c'est ça le pire. Ils osent tout. Le seul impératif, c'est d'y mettre de la conviction. C'est devenu flagrant avec Macron qui a érigé le « en même temps » en art de vivre, ce qui lui permet de faire ce qu'il veut, comme par exemple livrer des armes à l'Ukraine, puis prendre la pause dans son bureau pour faire des photos à la con, pomper sur Kennedy, du mec qui cherche des solutions pour la paix, ça passe. Ou bien expliquer qu'il est socialiste et une semaine après nous dire qu'il a jamais été socialiste, ça passe. C'est aussi Véran qui nous explique que le masque ne sert à rien, et puis deux semaines après, il le rend obligatoire parce que c'est vital, ça passe. Toujours le même Véran qui en juin 2021 nous explique « Vous savez, l'idée, c'est pas de fliquer les gens, c'est pas de les empêcher, de les trier, je suis contre le transhumanisme, tous ces trucs-là m'effraient et je lutterai toute ma vie contre ça, je suis contre le pass sanitaire dans les restos et gna gna gna. » Deux mois plus tard, devinez ce qu'il fait. Il met le pass sanitaire dans les restos. Ça passe. C'est Bruno Le Maire qui annonce la mort de l'économie russe et qui nous fait péter le col roulé 10 jours plus tard parce qu'on n'a plus de gaz. Ça passe. Ou là, récemment, Elisabeth Borne qui nous dit « être patriote, c'est être européen, ça ne veut rien dire, mais ça passe ». Ou alors Macron, encore lui, qui annonce la fin de l'abondance pour les Français et qui, deux semaines plus tard, donne un dîner à Versailles qui coûte 30 000 euros par personne, ça passe. Et enfin, c'est Marlène Schiappa qui cite Superman pour expliquer l'action gouvernementale et ça passe là encore. Alors, en effet, c'est assez édifiant, mais c'est dû à quoi, à votre avis ? Bah, comme je vous le disais, c'est de notre faute, c'est parce qu'on n'est pas assez concentrés. Pourtant, il suffirait de pas grand-chose, que les gens lèvent le nez de leur téléphone, qu'ils arrêtent de prendre en photo leur croissant du matin pour mettre ça sur Instagram, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs, ou qu'ils dissèquent les phrases des politiques pour réaliser qu'elles n'ont aucun sens, qu'elles sont décontextualisées, qu'elles ont été écrites par des cabinets payés très cher pour faire croire aux gens qu'ils sont trop cons pour les comprendre et que donc il faut les accepter sans réfléchir. Mais il y a quand même des gens qui réalisent ça quand même, non ? Oui, les complotistes. Mais on dit d'eux qu'ils sont fachos, poutinophiles, qu'ils n'aiment pas les chatons, les grands-mères et les petits-enfants. Quels sont vos conseils alors ? À commencer par des évidences. On se doute que là-haut, il n'y en a aucun qui a pris 5 vaccins, qu'il n'y en a aucun qui roule à l'électrique, aucun qui ne se passe de clim en été ou de chauffage en hiver, aucun qui bouffe des insectes, et aucun qui va faire ses courses au supermarché. Et ensuite ? Bah ensuite, idéalement, faudrait dire à tous ces « faites ce que je dis, pas ce que je fais », de prendre leurs jolis conseils, de les tailler en pointe. Et pour savoir où ils peuvent se les fourrer, je suggère de m'envoyer un message en privé parce que j'ai pas envie que ma chronique soit virée de YouTube. Et ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Au Bon Tweet et très bonne semaine à vous. On suit toujours avec avidité vos conseils. Merci, au revoir. Au revoir. Et c'est fini pour nous aujourd'hui. Merci à tous, émission exceptionnelle. Hein. Il est 10h20, on a largement dépassé les horaires. Merci à tous d'avoir été si nombreux. On a dépassé les 2500 auditeurs en direct. On a toujours besoin de vos relais, de vos pouces, de vos cœurs et tout ce que vous voudrez. On se retrouve demain à 8h. On donnera la parole à un reporter de guerre qui nous racontera justement tout depuis ces 20 dernières années, toutes ces guerres menées notamment par les Américains. À demain.